Ok, bonjour à toutes et à tous. Et chose promise, chose faite. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 29 décembre 2020. Nous nous excusons du petit retard et c'est indépendamment de notre volonté. Et nous avons aujourd'hui des blogueurs de taille, comme vous le savez bien. Et nous avons entre autres Fofana Fonike Kuntigi. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon cher frère Tigane, la puissance. Merci. Nous avons également Asilo King, Djibril. Salut, mon gars. Oui, bonsoir, Tigane. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, à tout le monde. Merci. Et nous avons également la guerrière Fassouma Ba. Fassouma, bonsoir. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi. Ok, merci. Et nous avons également Annie Delove, la guerrière. Bonsoir Annie Delove. Tu es en mute, tu es en silence là, ton micro. Je dis bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous regardent. C'est un gros plaisir pour moi d'être là. Merci. Et nous avons également le grand Big Soul. Big Soul. Bonsoir, l'homme de Paris. Oui, bonsoir la famille, ici Big Soul 224. Je salue tout le monde et merci pour ce live. Ok, merci. Monsieur Korkaba, Eric Korka était annoncé, mais il a un petit souci de maladie. Nous le souhaitons prendre guérison. Et il y a également Monsieur Fadiga Devey Guinée, qui est vraiment en cours de route. Il va essayer de nous rejoindre d'un moment à un autre. Également, M. Fama Kanté, jeune visionnaire, lui aussi certainement, il va nous rejoindre. Et c'est ça le programme. Maintenant, sans plus tarder, chers abonnés des différentes pages, nous vous prions de partager cette vidéo parce qu'elle est d'une capitale importante. Le partage déjà. Voilà. Et le sujet, nous avons quelques sujets que nous allons brosser ce soir. Le premier, c'est par rapport à ces jurpésistes qui demandent de l'asile politique à l'étranger. Au-delà de ça, ils prennent tout leur temps en Europe et en Amérique, s'asseoir devant leur téléphone, leur caméra, pour dire que tout va bien en Guinée et tout se passe bien dans ce pays. Et je trouve que c'est vraiment paradoxal, parce que tout ne peut pas marcher bien dans un pays, être dans un système et sortir du pays, venir demander de l'asile politique. Et ce qui est marrant dans tout ça, ils demandent aussi au nom de l'IFDZ. C'est-à-dire qu'ils cherchent les attestations de l'IFDZ à travers les différentes fédérations et pour vraiment demander du papier. Comment vous comprenez ça? Nous allons commencer par M. Fonike Kuntigi. Vous avez juste quelques deux minutes, à la rigueur trois, pour nous parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à M. Fadiga qui vient de vous rejoindre, M. Fadiga de Guinée. Bonsoir, M. D'abord, en fait, je commence d'ailleurs à remercier les auditeurs et de toutes les personnes qui nous regardent en un mot. Et ce qui concerne le droit d'asile, non seulement est fait par les Guinéens à l'étranger, c'est aujourd'hui devenu chaotique. Précisément, si je prends le cas de la France, la Guinée est devenue le deuxième pays demandeur d'asile ici en France. Donc, d'ailleurs, nous le savons. Nous ne sommes pas contre lorsque réellement il y a des Guinéens qui quittent ces lieux pour s'aventurer à la recherche du bonheur. Nous ne sommes pas contre parce que nous savons très bien. Et tout ça, là, c'est lié à la malgouvernance de l'État. Parce que nous savons qu'est-ce qui pousse nos compatriotes, qu'est-ce qui pousse réellement le peuple de Guinée, les jeunes, très jeunes, quand je dis jeunes, très jeunes aussi, à s'exiler.
soit parce que il a la persécution, la misère, mais aussi et la pauvreté. Nous savons très bien, et il y a beaucoup de personnes qui défendent le pouvoir en place, qui font des demandes d'asile au nom des différents partis politiques de l'opposition. À 70%, les demandes d'asile politique qui sont faites, ils sont faites au nom de l'UFDZ. Et aujourd'hui, ce que nous, on essaie d'alerter les responsables de l'opposition, et c'est de faire beaucoup, beaucoup attention par rapport à la situation. Parce que nous savons très bien, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour le bonheur de notre pays, c'est pour la démocratie. Mais s'il y a des communicants de RPG arc-en-ciel, parce que moi je ne les appelle pas blogueurs, c'est les communicants du parti au pouvoir en place, qui sont à l'étranger, alors que ces gens-là ont demandé l'asile, droit d'asile, au nom des différents partis politiques de l'opposition, et c'est les mêmes personnes qui sortent sur les réseaux sociaux pour nous insulter, pour nous menacer. Là, on ne peut pas accepter. Voilà aujourd'hui ce qui nous interpelle. Nous avons vu ce qui s'est passé la dernière fois et le jeune qui fait des injures publiques sur les réseaux sociaux. Et précisément, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai croisé aujourd'hui un petit à moi qui est rentré le même jour que lui en Italie. C'est-à-dire, c'est un jeune qui a traversé la mer Méditerranée pour arriver jusqu'en Europe ici. Alors, si les conditions de vie de ces derniers étaient remplies en Guinée, il n'allait pas s'exiler. Mais là, il est là. Le petit m'a dit aujourd'hui, grand, j'ai été reconnu en qualité de réfugié. J'ai dit, félicitations, petit. Je sais que, et en fait, tu n'es pas dans la politique. Nous, nous ne sommes pas contre. Mais nous sommes contre les personnes qui font des injures publiques, contre les activistes, contre les influenceurs, contre les personnes qui défendent l'intérêt général de ces pays. Et tant que c'est les mêmes personnes qui sont à l'étranger ici qui ont demandé l'asile politique. Donc, et si je prends la parole, et je dois quand même m'arrêter là, d'abord pour le moment, merci. Comme on est assez nombreux là. Oui, merci, merci. Et puis, on va donner la parole aussi à les autres. Oui, merci Fonike. Et si, vous, si les autres amis acceptent, M. Fadiga Éveil Guinée, il est en cours de route, il est sur un long voyage. Si on peut lui permettre de passer juste son message et on continue, s'il vous plaît. Monsieur Fadiga? Oui, Tidiane, bonjour et bonjour à tout le monde. Je suis désolé parce que je devais être là bien avant que tout le monde, c'est ce qu'il faut dire. Et merci pour cette compréhension. Et moi, j'aimerais qu'on essaie de recadrer la chose parce que dès qu'on touche à l'exil, beaucoup de personnes vont s'inquiéter parce que nous savons que le Guinéen aime le bonheur de son prochain. Le bon Guinéen aime le bonheur de son prochain. Dès qu'on a touché cet aspect, beaucoup de personnes se sont vues visées par notre nouveau combat. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas notre cible, vous n'êtes pas visé. Comme ce que vient de dire Fonike Kountigui, nous nous visons exclusivement les personnes qui disent que ça va en Guinée, à l'étranger, et qui ont bénéficié du soutien, ou bien les documents qui ont utilisé les documents des partis politiques de l'opposition pour dire que ça ne va pas en Guinée et à l'Occident, ils disent que ça va. C'est ça notre combat. Nous allons mettre des stratégies sur place pour les dénoncer. Mais ceux qui ne sont pas dans ces cadres, ne vous inquiétez pas. Nous ne voulons pas vous déranger, nous ne voulons pas porter des poisses. Et comme ce qui vient de dire Fonike Kountigui, je rebondis toujours sur ça. Si vous quittez dans votre pays, vous dites que ça ne va pas, il faut rester sur ça. Il faut dénoncer ce qui ne va pas. Mais vous ne pouvez pas dire que ça va dans le pays aux Blancs et pourtant ça ne va pas dans le pays. Et vous ne pouvez pas dire aux Blancs que ça ne va pas dans notre pays. Et vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux et insulter les personnes qui disent que ça ne va pas dans le pays. Nous n'allons pas accepter. Nous allons nous lever contre cela. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais il faut qu'on se respecte un peu dans ce pays. Et lorsqu'on a commencé ce combat, beaucoup de personnes nous ont appelés. Beaucoup des leaders des partis politiques ont dit qu'ils sont d'accord, qu'il faut vraiment mettre fin à cette situation. On ne peut pas être pour une chose et être contre la chose en même temps.
ceux qui ne sont pas là à dire que ça va en Guinée, qui ont demandé des papiers, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas visés par nous. Notre combat ne vous vise pas et continuez et bonne chance surtout à vous pour que vous ayez vos papiers. Mais comme le cas de Tokounou, nous allons les dénoncer. Si vous avez bénéficié d'une protection contre la Guinée, et nous avions des preuves qui montrent que vous soutenez le régime en place, ça nous allons dénoncer. Et nous allons partir loin avec ce combat. Nous vous le rassurons. Voilà. Est-ce que Tidiane est revenu pour ne pas monopoliser la parole? Oui, je suis là. Je suis là. Voilà. Merci. Voilà. Je pense que votre message est bien perçu. Parce que même moi, il y a une dizaine de personnes, depuis que j'ai lancé l'alerte hier, comme quoi on aura un débat aujourd'hui, j'ai vu que beaucoup étaient inquiets. Mais les gens ne doivent pas être, c'est-à-dire, ça ne doit pas être une inquiétude pour les citoyens. Nous visons juste quelques personnes, et nous les connaissons. Nous allons passer au niveau de l'immigration aux États-Unis, tout comme en Europe, pour les démanteler. Ce sont leurs ministres, ce sont leurs cadres, ce sont les gens dont ils appellent mes grands, mais ceci, cela, qui sont en train de tuer aujourd'hui en Guinée, ils sont en train de jouer à la corruption, qui sont en train de kidnapper les citoyens. Donc, on ne peut pas les laisser tranquilles ici, en Occident. Nous, on est juste ces gens-là, et ça, on ne va pas reculer. Voilà, pour terminer, Tidiane, il y a même des cadres en République de Guinée qui travaillent dans l'administration, qui ont aidé leur famille à obtenir la protection contre l'État guinéen. Nous allons le dénoncer. On ne va pas s'arrêter. C'est très facile de le faire. On peut le faire sans se déplacer. Et il ne faut pas vraiment barrer la route à d'autres Guinéens qui veulent quitter. Vous dites que ça va au pays, il faut rentrer travailler au pays. Et je suis vraiment content avec le menu du jour, surtout les personnes qui interviennent, nous intervenons deux. Est-ce que Big Soul est sur le plateau? Salut à lui, et je le suis chaque fois. Et voilà, Djibril et les Amazones aussi, et voilà. Donc, je vous suis, moi je suis sur la route, en cas de besoin, je vous ferai signe. Merci. Voilà, merci. Merci, oui. Merci, bonne traversée. Et merci. Nous allons continuer avec Asilo King. Djibril Asilo King, oui. Non, mon gars, respect de l'homme, respect. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Bon, Tigane, ça c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Fonike Kuntigi, c'est quelque chose seulement que c'est maintenant que les gens ont peut-être mis ça à la place publique, mais c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que M. Alpha Condé est devenu, depuis que M. Alpha Condé est devenu président, quand les gens se sont exilés, la majeure partie des gens qui critiquent l'opposition, des gens qui ont dit que « Ah, il faut que c'est le monsieur là qui est là pour nous », ces mêmes personnes sont là-bas. Depuis 2010, ils demandent l'asile politique au nom de l'UFDG. Depuis 2010, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Demande Fonike Kuntigi, il le sait très très bien. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au fait, c'est un système. Même la semaine dernière, j'ai un ami proche à moi qui est Peul. Il me dit, il m'appelle au téléphone ici à Conakry. Il me dit, c'est comment? J'ai un petit là, il veut que tu l'aides à avoir vos cartes. C'est un militant de chez vous. J'ai dit, bon? J'ai dit, pourquoi? Il veut faire quoi? Il dit, non, il a un rendez-vous. Il doit aller présenter sa carte de membre. J'ai dit, bon? J'ai dit, OK. Qu'est-ce que mon ami rajoute sur ça? Mon ami rajoute que son petit a dit que même si il faut qu'il doit payer de l'argent, qu'il va payer. Mais là, moi déjà, je me dis dans ma tête que je suis militant de l'UFDG, fervent militant. Moi, j'ai pas besoin de payer de l'argent pour avoir carte de membre de mon parti quand même. Ou bien, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que tout le monde sait que moi, je suis militant de l'UFDG. Quand mon ami a dit ça, j'ai dit, ton petit là, il est de quelle ethnie?
Il me dit, attends, je t'envoie son nom. J'ai dit, OK, envoie-moi sa filiation au complet. Et il m'envoie tout. Le monsieur, c'est un Kaba, son papa Kaba, sa maman un Condé. J'ai dit, ah, mais lui, il est militant de l'UFDG jusqu'à où? J'ai dit, oh non, bro, s'il te plaît, ça, c'est pas possible. Donc, c'est un truc qui ne date. Mais Djibril, ça peut l'être, hein? Il y a des cabas. Non. Pourquoi ça peut pas? Pourquoi c'est maintenant? C'est-à-dire, on ne peut pas détester quelque chose, on ne peut pas critiquer quelque chose, et qu'au final, c'est le nom de cette chose-là qu'on prend pour que nous, on gagne le bonheur. Tu ne peux pas t'asseoir à l'extérieur. Mon frère Djibril, oui, objection. Oui. Le problème, il ne s'agit pas d'un nom de famille. On peut être Kaba et être militant de l'UFDG. Non. Si, je sais. Le problème, c'est quoi? On a vu le jeune Bengali qui a été tabassé. Le jeune là m'a fait des injures publiques. Et ce que nous essayons aujourd'hui, on a organisé une équipe, on a mis une équipe de track, c'est-à-dire, on n'est pas contre le bonheur des Guinéens qui viennent cesser leur vie, parce que tout simplement, ça ne va pas chez nous. Mais tu ne m'as pas compris. On va l'écouter. Oui, King. D'accord. Tu ne m'as pas compris. Tu vas gérer le temps, oui. Dans notre parti, on a des malinqués là-bas. Il y a un petit malinqué là qui est proche de Agia là, maintenant, là, tout de suite là. Je ne veux pas dire son nom. Il est de Cancan. Je ne veux pas dire que par là, est à cause des noms. Non. Si tu es militant de l'UFDG, tu prends ta carte de membre avant que tu ne voyages, tu appelle les responsables de l'UFDG qui te connaissent que réellement que tu es un membre de l'UFDG. Tu n'appelles pas un individu comme ça là que tu connais dans le quartier pour dire que ah, aide-moi à avoir la carte de membre de l'UFDG. Non. Ça ne va pas marcher comme ça. Tu es de l'UFDG, tu es du parti, tu es Thomas, tu es Kissi, tu es Gakanke, tu es Soussou, tu es Forestier, tu es Mickey Forêt. Tout le monde sait que forcément, si tu es de l'UFDG, forcément, il y aura un petit responsable qui sait que tu es de l'UFDG. Ou bien, Fonike Kuntigi. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mon frère. Je suis vraiment d'accord. Voilà. Continue. Maintenant, si tu es de l'UFDG, réellement de l'UFDG, ce petit responsable qui te connaît que tu es de l'UFDG, tu prends juste le petit temps. Tu appelles ce petit responsable pour dire que, ah, grand, mon frère, bon, je suis là, j'ai besoin de ça. Comme lui, il sait déjà que tu es de l'UFDG, ça va, il va t'aider. Donc, sur cet aspect, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 2010, depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir. Beaucoup de gens qui critiquent l'UFDG ont gagné des papiers comme ça en Europe sur le nom de l'UFDG. Mais qu'à cela ne tienne, on veut tous le bonheur des Guinéens. Mais récemment, là, pourquoi c'est sorti dans l'ombre, c'est sorti maintenant sur la place publique, ces petites personnes, ces petits comme le nommé que vous avez nommé là, Kaba, qui se réclament de communicants du RPG et qui demandent l'asile politique au nom du parti qu'il est en train d'insulter. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous, on a dit à tout le monde ici que vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez venir à UFDG. Tout le monde peut venir adhérer à UFDG. Même toi qui es là tous les jours, je te dis, viens à UFDG, viens à UFDG. Tous les jours, je te dis ça. Oui ou non? Faut que écoute. Ouais, tu as parfaitement raison, mon frère. Okay. Donc, voilà. Donc, le truc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu a fait que maintenant, le monde a su, et on va lutter contre ça. Parce que tu ne peux pas détester quelqu'un, et tu ne peux pas critiquer quelqu'un, et après, tu vas chercher le bonheur derrière le nom de cette personne. C'est impossible.
Ça c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord. Tidiane. On va passer d'abord aux autres. Oui. Mais avant que, en fait, on passe là, je voulais signifier quelque chose, juste un point là. Concernant de ce que Djibril a dit, il a noté un point très, très important. En disant qu'il a été contacté par un ami qui voulait l'attestation et la carte de membre de l'UFDG à partir de Conakry. Parce que c'est moi qui a initié cette affaire avec Fadiga, mais il y a eu beaucoup de fédérations de l'UFDG, mais aussi les différents partis politiques de l'opposition qui sont à l'étranger, qui m'ont unifié que le problème, ça ne se trouve pas à l'étranger, le problème, ça se trouve à Conakry, là-bas. Donc, ce que Djibril est en train de dire, je crois que c'est très, très important, parce que là, il y a des responsables qui sont à Conakry qui nous regardent. Oui, écoutez, c'est une chose que je maîtrise, étant militant et responsable de ce parti, mais nous allons recadrer beaucoup de choses, parce que les fédérations aussi, ont leur rôle à jouer par rapport à ça. Les fédérations même délivrent des attestations, tout ça, parce que, au fait, les gens, quand ils viennent avec des réalités, ce n'est pas un crime. Tout le monde sait qu'en Guinée, aujourd'hui, ça ne va pas. Toutes les personnes qui ont la chance de sortir, ils peuvent vraiment sortir. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, mon problème, c'est par rapport à ces gens qui disent que ça va en Guinée, qui demandent des papiers au nom de l'UFDG. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et nous allons coordonner ça au niveau de toutes les fédérations de l'Europe et de l'Amérique, que personne ne délivre une attestation à une personne inconnue. Et il faut aussi préciser que les cartes membres ne sont pas gratuites. Parce que c'est de ça que le parti vit. Moi, j'ai accepté ma carte membre ici de l'IFDZ à 100 $, ce qui fait 1 000 000 de francs guinéens. Donc, ça dépend des pays et des situations économiques. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est, on doit acheter parce que c'est là où on pourra vraiment comprendre le parti. Non, l'attestation, je parlais de l'attestation, quoi. Non, l'attestation, ça, c'est autre chose. On ne va pas mettre le débat là, ici. On va parler de ça en privé. Mais l'essentiel, c'est par rapport à ces gens qui font le semblant. Nous allons passer à Fasma. Fasma Ba, oui. Ok, j'étais en train de mettre la vidéo. D'abord, je salue tous nos auditeurs et auditrices qui nous regardent partout où ils se trouvent. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de votre emplacement. Fasma Ba, toujours là, qui commence à dénoncer cette injustice dont le Guinéen fait face actuellement. Mais aujourd'hui, le débat peut être un peu différent. Je vais souligner un peu là où M. Fadiga avait dit, depuis qu'aujourd'hui tu as envoyé ce texte, quand je l'ai partagé sur mes deux pages, moi-même j'ai reçu des appels, des gens qui m'ont dit que je suis égoïste. Je me suis posé des questions. J'ai même les messages quand tu rentres sur le combat de la liberté, tu vas voir, on me traite là-bas d'égoïsme. Je dis le pourquoi, que parce qu'aujourd'hui, nous décidons de parler de l'asile politique. J'ai dit parler de l'asile politique, ça ne veut pas dire que tous ces d'autres, ceux qui ne sont pas concernés, ceux qui sont concernés le savent. Nous, on sait sur quoi on est en train de faire notre débat. Nous tous qui sommes là, qui sommes aujourd'hui en Occident, chaque personne qui n'est pas née ici, il a demandé l'asile. Ça, c'est pas un problème. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est de ces personnes, ces communicants de RPG, Arc-en-Ciel, qui se flanquent sur les réseaux sociaux, insultés père et mère de tous les militants et sympathisants de l'IFDZ, et aussi insulter les responsables de l'IFDZ, saboter ce parti, donc, et même qu'ils savent que c'est un parti responsable. Parce que s'ils savaient que réellement aujourd'hui le parti n'est pas victime de cette injustice dont ce régime fait face, nous fait subir, ils n'allaient pas demander au nom de l'IFDZ. Mais c'est de se flanquer, nous insulter, nous envoyer des messages, nous menacer nos familles en Guinée, et après venir derrière nous et chercher aussi à avoir le bonheur, c'est de ces personnes que nous allons dénoncer. Moi, je trouve que ce débat ne va pas pour tout le monde. Ce débat va surtout à l'encontre de toutes ces personnes qui se flanquent sur les réseaux sociaux, saboter l'IFDZ, insulter l'IFDZ, insulter nous, militants et sympathisants de l'IFDZ qui risquent pour le bonheur de tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est à l'IFDZ ne risque pas pour l'IFDZ, tu risques pour le bonheur de tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas une personne qui est victime, mais c'est toute la nation entière qui est victime.
sauf certains qui se font danser dans leur poste et essayent d'utiliser le pouvoir machiavélique en place pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Prenons un exemple sur cet homme qu'on a tabassé tout dernièrement. C'était vraiment superbe, excusez-moi. C'est Bengali Kaba. Voilà, c'est soi-disant Bengali. Il m'est arrivé à voir une de ses vidéos, je le jure devant Dieu. Voilà, je n'ai pas osé entendre, malgré que Minanata, je n'entendais pas ce qu'il disait. Mais les mots d'injure, je ne pouvais pas écouter. Quelqu'un qui insulte comme ça, quelqu'un qui menace comme ça des personnes, quelqu'un qui se réclame militant de l'île du RPG arc-en-ciel et vient pisser derrière nous en demandant l'asile au nom de ce parti qu'il insulte jour et nuit. Mais c'est inacceptable. On ne peut pas accepter cela. Toi, aujourd'hui, Tidiane, tu peux demander. Le monde entier sait que tout Guinéen aujourd'hui, conscient et non inconscient, sait que tu es un militant de l'IFDZ. Moi, la même chose. Asie, ainsi de suite. Ou frère Djibril, c'est un exemple que je donne. Mais quelqu'un qui se flanque, qui nous insulte. Franchement, juste une précision à ce niveau. Même les RPGistes, ils peuvent demander l'asile. C'est pas un crime d'être dans le RPG. Mais c'est être dans le parti, faire des sorties, dire que tout va bien au pays, puis venir. Même les RPGistes, s'ils ont besoin de papiers, on peut les aider parce que ça ne va pas au pays pour se sauver. Mais passer. Non, Tigal, moi je ne cautionne pas ça. Non, attendez, il faut préciser. S'il vous plaît, je ne suis pas d'accord avec toi. Qui est du RPG? Tu viens ici demander l'asile, demande au nom du RPG, mais ne viens pas mentir derrière l'IFDZ, quand même. Ah, toi, aujourd'hui, voilà. Je suis d'accord. Voilà, je disais bien que nous, là, on est connus, nous sommes derrière l'IFDZ. On peut demander parce qu'aujourd'hui, nous sommes toutes et tous conscients, on ne peut pas descendre en Guinée sans qu'on soit attaqué par ce gouvernement. Là, il y a une raison, mais que je sois de l'IFDZ arc-en-ciel et je viens pisser derrière l'IFDZ pour mentir, nous insulter et demander, là, je ne suis pas d'accord, excuse-moi frère, mais là, je ne suis vraiment pas d'accord. Bon, il faut que ça s'arrête. Continuons de dénoncer ces plans machiavéliques parce que moi, je peux dire que c'est des plans machiavéliques. C'est des clans aussi comme leur président Alpha Condé. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ce mensonge-là reste dans le palais Sékou Touré en attendant qu'on déloge Alpha Condé. C'est aussi simple que ça. Merci. Je ne vais pas polémiquer tout. Merci, Fassouma. Là, tu as parfaitement raison. Ils peuvent demander, mais au nom du RPG. Ce n'est pas un crime. Maintenant, voilà. Non. Point d'interrogation, en fait. Vous êtes des adversaires, vous n'êtes pas des ennemis. Non, on ne donnera jamais. Je vous dis, ils peuvent demander au nom de leur parti. Maintenant, ça, c'est entre eux là-bas. Mais il sera paradoxal de demander au nom d'un parti qui gouverne un pays, dire qu'il y a un problème politique. Mais les Blancs, ils ne sont pas fous là. Hein. Ok, on continue, Big Soul. Big Soul. Oui, la famille. Merci. Ouais, je suis là. Je salue tout le monde d'ici Big Soul 224. Respect à tous ceux qui sont ici. Respect à Fadiga, Éveil Guinée, Mathieu Mediaka. Respect à tout le monde. Je salue tout le monde. Vous voyez ce sujet, moi, il me fait rire. En fait, parce que l'hypocrisie de certains. En fait, j'appelle ça la bêteté humaine de certaines personnes. C'est purement incroyable, tu vois. Sinon, cette histoire de demander asile, aujourd'hui, là où nous sommes, tous les Guinéens de Kassa à Yomou, s'ils ont la possibilité de venir, de fuir la Guinée, de venir ici en Occident, ils ont le droit de demander l'asile parce que tout le monde sait que ça ne va pas en Guinée. Mais un RPGiste qui soutient le RPG, qui est le parti au pouvoir, qui dit qu'Alpha Condé est un bon président, qui dit que tout va bien en Guinée, n'a aucunement le droit de venir demander l'asile n'importe où, que ce soit partout, même pas en France ici, partout dans le monde. D'abord, pourquoi tu fuis la Guinée, hein? Tu fuis la Guinée, tu fuis toute cette galère, toute cette misère qu'on connaît, tu viens ici. Voilà, maintenant c'est toi qui te présentes sur les réseaux sociaux qui insultes tous les combattants, c'est-à-dire de l'alternance. Parce qu'on n'est pas tous militants de l'UFDG, forcément, tu vois. Par exemple, ce qu'a dit Fassman, il a parfaitement raison.
Nous tous qui sommes venus ici en Europe, qui ne sommes pas nés ici, on a demandé l'asile, y compris moi. Mais moi, je le dis tout le temps que je ne suis pas militant de l'UFDG. Donc, même moi, parce que moi personnellement, moi, Bitsoul, je ne sais pas c'est à quel dirigeant de l'UFDG je peux demander une carte de membre et puis il va me refuser. Je connais plein de monde là-bas. Mais j'ai dit haut et fort ici sur les réseaux sociaux que je ne suis pas militant de l'UFDG, même si je ne suis pas contre l'UFDG. Je préfère l'IFDG 100 000 fois au RPG. Ça aussi, je le dis haut et fort. Mais dans ma demande d'asile, je n'ai pas mentionné le nom de l'UFDG là-dedans. Parce que je ne peux pas dire que franchement, je ne suis pas un militant de l'UFDG et aller demander l'asile au nom de l'UFDG. C'est mentir. Tu vois, c'est mentir. On n'est pas contre le fait que les gens viennent demander de l'asile. Mais les RPGistes, Alpha Condé est un bon président. Restez en Guinée. De tout ce qu'il y a ici, de tout le développement. Hein? Vous fuyez, c'est-à-dire la merde dans laquelle les gens vivent en Guinée, qui ne connaissent pas, même les Blancs, ils savent. Donc, ils n'ont pas le droit de venir demander l'asile. Et des actions concrètes, ils ne suffisent pas de parler seulement, des actions concrètes doivent être menées dans ce sens pour les empêcher d'avoir l'asile ici, en Occident, partout dans le monde. Alpha Condé est un bon président, n'est-ce pas? Allez-y en Guinée, hein? Allez-y en Guinée, vivez le bonheur en Guinée. Tu vois? En fait, il y a certaines personnes, voici le problème. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, même s'ils savent que ça ne va pas en Guinée, même s'ils savent que les Guinéens sont dans la merde, mais pourvu qu'on dise simplement que c'est un membre de leur ethnie qui est au pouvoir. C'est leur souci, c'est tout. C'est tout, en fait, c'est tout. C'est tout ce qui les importe. Ils savent que ça ne va pas en Guinée. Ils savent que ça ne va pas en Guinée. Ils savent qu'Alpha Condé, c'est un mauvais président. Et même, ils le savent. Au fond d'eux, ils le savent. Mais ils fuient, ils viennent en Occident. Ici, ils demandent l'asile au nom de l'UFDG en plus. Ils obtiennent l'asile. Ils ont tout le privilège qu'on a en Occident ici, on sait. Mais qu'on dise simplement qu'Alpha Condé est malinqué, je suis malinqué, donc ça va. C'est une question de fierté. C'est une question de fierté et d'ego. Qu'on dise, voilà, que c'est mon ethnie qui gère le pays. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Non, on n'est pas des égoïstes, tu vois? On n'est pas des égoïstes. Tous ceux qui viennent ici, tous les Guinéens, normalement, que tu sois peul, sous malinqué, forestier, tu dois demander l'asile. Et tu dois obtenir l'asile. Voilà. Mais il suffit simplement d'être honnête, d'être cohérent. Ok. Ok, Big Soul. Tu ne peux pas insulter tout le temps de... Le réseau se dégrade avec toi et nous allons passer à la guerrière, Annie de Love. Allô, Big Soul. Oui. Oui, je dis merci quand même, tu as fait des précisions très claires et il faut d'ailleurs préciser la chose la plus paradoxale dans tout ça, c'est du fait que même les ministres envoient leurs familles ici pour demander de l'asile. Les ministres de la Guinée, des cadres de la Guinée, beaucoup. Et puis ils viennent ici, leurs femmes ne cessent pas, leurs familles ne cessent pas des papiers à leur nom, hein, parce que les papiers de mariage, ce n'est pas le nom de leur mari qui sont là-bas, ils mettent certains noms. Mais c'est paradoxal, c'est paradoxal. Ce qui se passe. Par exemple, l'autre, torturer nos frères en Guinée. Ok, par exemple, l'autre, Sergent Moussa Condé, je vais mentionner son nom ici. Parce que lui, il a dit un truc, c'est très grave. Il dit lui qu'il est. Big Soul, s'il te plaît, mon frère, tu es un activiste. Il ne faut pas accorder l'importance à certaines personnes qui ne vaut rien. Il faut les oublier, il faut les ignorer. Non, mais il a dit un truc, c'est lui qui a dit ça. Il dit qu'il est un Guinéen de catégorie A. Qu'est-ce qu'il fout ici en France, s'il est un Guinéen de catégorie A? Pourquoi il n'est pas en Guinée? Ah non, il faut qu'on le dise. Annie de Love est de la catégorie A. Un Guinéen de catégorie A. Ah, il doit être à la première place. Voilà. Catégorie Z, donc à rentrer au pays. Un point. Hé, hey, Asilo King, tu es de la catégorie Z, hein? Donc, ok, on continue. Annie de Love. Eh hey, oui, nous t'écoutons. Tidiane, merci avant tout. De nouveau, je salue tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Je suis Annie de Love, la guerrière. Et voilà, je rajoute que je suis guinéenne de catégorie A, hein? Désormais, il faut. Je ne suis pas de catégorie Z quand même.
Bref, donc, le sujet, c'est sur les RPGistes qui demandent de l'asile en France. Si c'est en France, si c'est dans beaucoup de pays de l'Occident, mais voilà. Les RPGistes, ceux qui font des sorties pour dire que tout va bien au pays. OK. Ceux qui font les sorties pour dire que, voilà, ils proclament nuit et jour que tout va bien au pays. Et, par contre, ils demandent de l'asile au nom de l'UFDG. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué. Comme le disait tout à l'heure Agic, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est seulement pas sur le cas de l'asile. Hein. En Guinée, tout ce qui se passe aujourd'hui, nous savons que c'est tout ce qui est de responsabilité, tout ce qui est de meilleures choses, c'est l'UFDG. C'est l'UFDG. Mais au fait, tout ce qui manque maintenant, je pense que c'est ce couturier qui manque à l'UFDG, hein, la vérité. Parce que tout ce qui est de responsabilité, tout ce qui doit se faire, par exemple, les victimes s'en occuper, quoi. Tout ce qui est de responsable, c'est l'UFDG au fait. Les gens se cherchent à manger au nom de l'UFDG. RPG ne fout rien en réalité. Alpha Condé et leurs membres, si ce n'est pas se nourrir sur nous. Mais voilà, précisément sur ces personnes aussi sans honte, moi-même, j'ai très honte à leur place. J'ai très honte à leur place parce que je ne ferai jamais un truc pareil, au fait. Comment ça sort sur les réseaux, insulter les partis politiques, à commencer par son président jusqu'au dernier né. Et après, tu demandes l'asile à son nom. C'est vraiment très honteux, c'est irresponsable, c'est macabre. C'est seulement eux qui peuvent faire ça. Donc, je déplore cela et je dénonce. Je dénonce cela. Et j'annonce aussi quelque chose d'important. Je ne sais pas si les membres ou les responsables, je vais dire, de l'UFDG sont au courant de ça. Parce qu'au fait, ce sont eux qui donnent les cartes de membres. Avant tout, hein, ce sont eux qui donnent les cartes de membres. Donc, il faudrait aussi que si les responsables ne sont pas au courant, c'est quelque chose à vérifier dedans. C'est quelque chose qui concerne aussi les responsables, au fait. Ils doivent savoir à qui donner les cartes de membres. Ils doivent connaître leurs membres. Il ne faut pas que les gens profitent de l'UFDG. Parce qu'ils sont sans honte, hein, mais c'est nous qui doivent être prudents afin qu'ils ne profitent pas de nous. Parce que nous ne sommes pas, au fait, nous ne sommes pas leur n'importe qui. On comprend aussi. On n'est pas leur gawa, là. Voilà. On voit aussi clair plus qu'eux-mêmes. Donc, c'est grave. Lorsque ça ne va pas dans ton pays, bah, ça ne va pas. Soit tu es membre de l'UFDG, tu es sympathisant, soit tu es le peuple. Par exemple, moi je ne suis pas, j'ai toujours dit, comme le disait aussi Bixoul tout à l'heure, je suis comme ça aussi. Je suis ni de RPG, ni de l'UFDG, j'ai toujours dit. Même s'il y a beaucoup voilà, qui ne comprennent pas trop, dès que tu parles en tant que combattante, en tant que guerrière, et se dit, ah, c'est l'UFDG. De nos jours, tous ceux qui s'opposent à l'RPG, c'est l'UFDG. Je dis, OK. Vous n'êtes pas mon Dieu là. Ce que j'ai dans mon alors, cœur. Alors, venez à l'UFDG alors. Ce n'est pas pour te couper la parole, mais venez à l'UFDG. C'est, ça vient très après. Pas... Voilà. C'est... Ça maintenant, après. Maintenant, j'ai dit à Bixoul aussi, Bixoul, venez à l'UFDG. Et Annie Delors, venez à l'UFDG. Parce que même si vous allez dire aux gens que vous n'êtes pas de l'UFDG, ils ne vont pas vous croire. Ou bien, Tigane. Exactement. Ils ne nous croient pas. Voilà, donc à l'UFDG, c'est pas sorcier de venir à l'UFDG. Venez. Parce que c'est un parti de vérité qui veut le voilà. Bonheur. Écoute, Tigane, la puissance, Bixoul, 224, Ajikim, vous êtes des bons. Il y en a qui sont des partis politiques, nous on est des activistes, mais moi, à ma qualité, étant membre dans le bureau de la coordination, aujourd'hui nous travaillons avec tous les différents partis de l'opposition, précisément, et comme Annie Love a déjà signifié là pour dire que ça fait vraiment honte lorsque vous ne soutenez pas un parti politique et que vous demandez l'asile au nom de ces partis. Nous avons mis notre équipe en place. Nous allons traquer un à un tous les communicants du RPG. Je ne dis pas les militants du RPG, je dis les communicants du RPG arc-en-ciel qui font des injures sur les réseaux sociaux qui ont demandé l'asile au nom des différents partis politiques de l'opposition. Parce que la plupart aussi font les demandes, soi-disant qu'ils sont militants de FNDC. J'ai discuté avec le coordinateur de FNDC. Vous savez, FNDC aussi est un mouvement de citoyenneté.
FNDC n'a aucun document administratif. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent que des photos. Mais nous allons les trinquer one by one, notre équipe, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Mexique, en Afrique, en Guinée, partout, nous allons alerter, nous allons vous arrêter, nous allons mettre main sur eux. Okay. Et puis, ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, qui est en train de gueuler, s'attaquer à des activistes, s'attaquer à des influenceurs, nous allons les retirer leurs papiers. Et ce démarche est déjà en cours avec le vice-président de SOS Racisme ici en France. Il nous a dit de ne pas tarder de réagir. S'ils savent que très bien tout va en Guinée, au lieu de s'asseoir devant leur écran à l'étranger, s'attaquer à les personnes qui ne font que mettre leur vie en danger en défendant l'intérêt général de ces pays. Mais pourquoi ils sont à l'étranger alors? Pour quel motif ils vont rester? Le jeune Bengali que je viens de... comment dirais-je? Bengali, laissez Bengali dormir. Non, mais attends, il faut vraiment qu'on soit clair. Lui, il a traversé la mer Méditerranée. Il a passé par l'Italie, arrivé ici en France. Il fait un commerce qui est illégal. Il vend des saucisses, mon frère. Il est en train de faire Uber sur le papier d'une autre personne. Il a demandé l'asile au nom de l'opposition. Et vous voyez ces jeunes-là. Les critiques, ce n'est pas mauvais. Mais qui fait des insultes publiques. C'est mon frère. Bon, ça, c'est des péchés. Si comme vous le faites maintenant, nous, on va lui kidnapper. C'est ça, la vérité. Écoute. Non. Ces communicants-là, ils sont à l'image de leur parti. C'est un parti qui est mort, c'est-à-dire qui est mort. Okay. Ils n'ont plus d'espoir, quoi. Il n'y a plus d'espoir. On va laisser Annie clôturer son intervention. On va aller au deuxième sujet pour se quitter. Ok, je terminerai rapidement. Quand je parlais, le fait que les responsables soient au courant, c'est ça. On doit dénoncer. Nous sommes sur le bon. On doit les dénoncer. Une fois qu'on les connaît maintenant, on sait que vraiment ce sont des gens, comme je dis, c'est la honte totale, c'est la honte. Parce que si on laisse aussi, voilà, les pimpins, là, on va les appeler pimpins, les pimpins blogueurs, là, on prend aussi les gens qui sont aussi dans la fonction même en Guinée, qui amènent leurs femmes, vous voyez ça? Donc ça devient encore, là encore, c'est plus de honte. Il faut seulement les dénoncer. Les ministres même, je te dis, ce n'est même les pas... Les ministres même. Je me dis, ça ne va pas. Donc, ça s'est profité de nous. Ça s'est profité. On peut se demander de l'asile sans que ça ne soit au nom de l'UFDG. Hein. On peut juste, je suis guinéenne. Par exemple, moi, je n'ai jamais demandé d'asile parce que ici, d'ailleurs, dans mon pays, je n'explique pas, ce n'est pas comme la France. Hein. Ici, chacun se bat de soi-même. Je n'ai jamais demandé d'asile, mais si je le demanderais, simple guinéenne, ça ne va pas chez moi. Si je sors aujourd'hui, je vais demander quelque chose. Comme je ne dis, c'est le nom d'un parti politique. Donc, ces gens-là doivent savoir qu'ils peuvent aussi demander de l'asile. Je pense qu'on les accorde sans que ça ne soit au nom d'un parti, sans que même. Simplement, ça ne va pas. On le comprend. Simplement, ça ne va pas. Même les images, même des vidéos, tu peux enseigner des choses qui se passent là-bas, des massacres. Ça, déjà. Mais pourquoi profiter d'un parti politique? Ça veut dire vraiment, ils détestent ce parti, l'UFDG. Et voilà, là, ils sont vaincus. Hein. Ils sont déjà vaincus, moi, je dis. Donc, les dénoncer et que les responsables, là aussi, ils jouent un rôle important. Et vraiment, les sanctionner à la fin. Hein. OK. Qu'ils méritent ce qu'ils doivent mériter. C'est ce que moi, je vais dire et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Et crois-nous que nous allons s'y mettre par rapport à cette situation-là. Parce qu'il faut savoir, la carte de membre est une chose, mais l'attestation aussi en est une autre. C'est que les gens aussi ne comprennent pas. Une simple carte de membre ne peut pas te faire passer. Il faut une attestation qui est certifiée par un responsable au plus haut niveau du parti. Et là aussi, ce n'est pas n'importe qui est habilité à signer ça à Conakry. C'est pourquoi nous devons contacter le bureau national pour ne pas qu'ils acceptent les proches de certains. Dans la puissance, il ne faut pas aller loin. Les quatre membres de l'UFDG sont signés par Malado.
Les attestations sont signées par Aliou Condé actuellement. Vous le savez très bien. Nous allons les contacter. Donc, il faut les alerter. Nous allons les contacter tous. Et aussi, nous allons contacter toutes les fédérations. J'ai déjà discuté avec eux, je les ai dit. Toutes les fédérations de l'Europe et de l'Amérique, nous allons les contacter. Nous allons passer. Moi, je vais passer, par exemple, à notre fédération pour qu'ils puissent contacter tous les autres fédéraux par rapport à cette situation. Voilà. Nous allons passer au deuxième sujet. Et nous allons... Vu le temps, nous allons essayer de cumuler deux sujets en main. Et là, c'est par rapport à cette sortie macabre du président du Niger qui a accepté d'honorer sa parole, qui a accepté de sortir par la grande porte, qui a respecté sa parole qu'il avait eu à tenir devant les hommes, qui avait dit qu'il allait faire un mandat renouvelable une seule fois et s'en aller laisser le Niger dans les mains de notre fils nigérien. Et qui est socialiste au même titre qu'Alpha Condé, qui a refusé, qui souhaite mourir au pouvoir parce qu'il sait que les crimes qu'il a eu à commettre sont énormes, crimes économiques, surtout crimes humains. Alors il ne veut pas quitter le pouvoir pour qu'il soit arrêté et jugé un jour. C'est pourquoi il veut forcer la situation. Alors, quelle comparaison avez-vous à faire entre ces deux hommes-là, tous socialistes? Aujourd'hui, d'ailleurs, Alpha Condé est chassé du rang des socialistes à cause de son comportement qu'il a eu à prendre parce que personne ne le soutenait pour ce troisième massin appelé troisième mandat. Ça, c'est une question. La deuxième, c'est par rapport à ce monsieur. Je vais vous lire textuellement le ministre Wouye. Notez bien ce qu'il a dit, parce que c'est grave. Et comme ça, vous allez brocher les deux sujets à la fois. Voici ce qu'il a dit. Et il dit que affrontement sanglant à Massantan. OK. Maintenant, voici son message. Il dit, il ne faut pas que Massantan ressemble un peu à Bambeto. Ici, c'est une terre bénite. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je pensais ici, le ministre Wouye Gilavogui devrait chercher à aplanir, à vraiment gérer la tension qui se vit actuellement dans ma ville natale, parce que moi, je suis de Massantan, je suis né là, grandi là. C'est là-bas d'ailleurs que je connais. Je suis plus Massantané que Wouye qui est né à Kindia. Donc, on ne peut pas accepter qu'il se comporte de la sorte. Au lieu d'éteindre le feu de l'autre côté, il active sur l'axe. Ça veut dire qu'alors, les gens qui sont sur l'axe, c'est des personnes maudites. C'est grave, ça. Ce n'est pas les paroles d'un ministre, mais c'est comme ça. Ce sont eux qui créent des problèmes au sein des communautés, je ne sais pour quelle raison, et après ils se mettent à envenimer autrement. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ces deux? Nous revenons à Fofana, Fonike, Kountigui. Rapidement, vous n'avez que deux minutes. D'accord. Et d'abord, c'est vraiment... Bon, moi je peux dire que ce n'est pas étonnant, parce que même Alpha Condé tient des propos plus graves que ses ministres. Et ce que Wouye a dit, ça n'engage que lui. En fait, et nous savons très bien que la commune de Ratoma est au premier front pour mêler ce combat. Et si réellement nous voyons un Wouye Gilavogui qui s'exprime de cette manière, ça veut dire que Wouye se moque du peuple de Guinée. Sinon, tout ce que nous, on peut faire, nous savons très bien, depuis l'arrivée de M. Alpha Condé qui a été choisi par un camp pour gouverner la Guinée en 2010, nous connaissons l'histoire, comment M. Alpha Condé est arrivé au pouvoir, d'ailleurs avec deux mandats volés. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qui concerne Wouye doit faire beaucoup attention. Un responsable, un ministre, ne doit pas tenir certains propos à l'égard de sa nation. Aujourd'hui, à Massantan, il y a presque 60 morts et rien n'a été fait. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois dans la région de Guinée forestière, d'ailleurs, nous le savons, à chaque fois, il y a des conflits ethniques. La dernière fois, c'était entre les Konyanké et les Ali. Et c'est qui a allumé ce feu? C'est Amadou Damaro qui est le président de l'Assemblée nationale qui a allumé ce feu. Parce que Amadou Damaro Camara n'a pas de pitié, c'est un homme vulgaire.
Et tout ce que nous, on peut dire à la population de Massanta, et c'est de s'attendre entre eux, de maintenir la paix. Ils devaient cultiver la paix entre eux. Mais nous sommes dans un pays où l'État n'existe plus, c'est la loi du plus fort qui règne. Et dans ce cadre, comme il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, c'est le règlement de compte qui règne, et chacun tient des propos qu'il veut tenir. Je ne suis pas vraiment étonné à ce point qu'un faux ministre, Oye Gilavogui, qui est perdu dans sa tête, veut se faire aussi voir à travers les milieux médiatiques, tient des propos irresponsables par elle. Je vous remercie, mon frère Tigan. Merci. Merci beaucoup. Azilo King. Bon, c'est simple. Tigan, il ne faut pas comparer l'incomparable. C'est-à-dire, il ne faut pas comparer le président nigérien et le président guinéen. Le président nigérien est venu au pouvoir pour aider le peuple. Le président guinéen est venu au pouvoir pour réaliser ses propres rêves. Donc, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est venu pour aider le peuple et quelqu'un qui est venu pour réaliser ses propres rêves à lui, on a tous vu combien de voyages dans les 10 ans-là, de voyages d'aller-retour qui n'ont rien apporté à la Guinée, seulement qui a coûté des milliards d'euros à la Guinée. Aucun Guinéen, de quelque ethnie que ce soit, ne vous dira que tous les centaines, milliers de voyages-là, qu'est-ce que cela a apporté à la Guinée. Donc, je pense que le président Mahamadou Issoufou et celui de la Guinée ne sont pas à comparer, franchement. Hein, parce que déjà, on voit déjà celui qui est venu pour aider le peuple et celui qui est venu pour accomplir ses propres rêves à lui. C'est simple, c'est incomparable. Concernant Oye Gilavogui, là, c'est quelqu'un qui est, il est frustré en ce moment. Tous les ministres qui sont là actuellement, là, ils sont frustrés. Tout, c'est-à-dire de 7h du matin jusqu'à 18h, il y a la sueur qui coule de leur tête jusqu'à leurs pieds. Ils tremblent actuellement là. Parce que tout le monde veut être maintenu. Oye Gilavogui compare Massanta et dit un mot déplacé en disant que Massanta est une ville bénite, que cela ne doit pas ressembler à Bambeto. Est-ce que, c'est-à-dire, il veut seulement se faire plaire à son président pour qu'on puisse le maintenir. C'est-à-dire, il a dit le mot pour se faire plaire. Sinon, le Oye, là, qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est pas à vendre les bus quand, je sais pas, quand il était au transport, là. Les bus qui circulent, là. Ils n'ont rien foutu. Lui, il est là depuis combien de temps? Il peut parler à qui? Il peut dire, il peut se taper la poitrine à quel Guinéen, devant quel Guinéen. Ce qui fait mal en Guinée, ce qui est triste, d'ailleurs, tous les cadres guinéens, ceux qui ont travaillé dans l'administration, ils se vantent de leur richesse, ils se vantent de ce qu'ils ont, c'est-à-dire les biens matériels, mais ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se vanter du travail, de quelque chose qu'ils ont fait pour le peuple. Au lieu que Oye, qu'il parle de Bambeto comme ça, c'est simplement de dire, ah, faites la paix. Faites la paix. Sachant que c'est lui qui a provoqué ça. C'est de sa faute que ça a été provoqué. Ou bien Annie de Love, ma soeur. Bien sûr. C'est de sa faute, non? Donc, ce sont les manipulateurs. Voilà, donc, il voulait juste faire balancer la chose. C'est pourquoi il a dit ce mot. Si quelqu'un est maudit, où une ville est maudite, en tout cas, ce n'est pas Bambeto. Bambeto et l'axe lutte pour la vraie démocratie dans ce pays et aucune terre en Guinée n'est maudite,
toute la Guinée est bénie et tous les enfants guinéens sont bénis. Les gens de Masanta vont faire la paix avec eux et on va les appeler à faire la paix. Il ne faut pas qu'ils se laissent manipuler par des gens pareils comme les Oye là. Qu'est-ce que Bambeto a quitté, c'est-à-dire Conakry, pour partir, sortir dans sa bouche là-bas jusqu'à Masanta? C'est inhumain. C'est des manipulateurs, tout court. Non, c'est simplement parce qu'il veut que les médias relayent ça pour qu'on voit ça. On dit que, ah, oui, là, il fait son job, hein, on doit le maintenir. C'est tout problème. Pour gagner la confiance, pour gagner la confiance. Voilà, mais moi, là où je suis là, moi, j'ai la liste. Il n'est pas dedans. C'est ce que j'ai mis comme statut là. Il faut qu'il reste tranquille. Tout, s'il veut, il n'a qu'à chanter 10 albums là. On l'a fait descendre là. C'est fini. Hein? Donc, pour mon intervention, c'était ça. Merci beaucoup. Et Fassouma, avant de passer à Fassouma, je vais préciser que nous aurons M. Abdou Karim Diallo, qui est le fédéral de Londres. C'est en Angleterre, en Europe. Il sera là après ce tour de débat pour nous clarifier un peu de choses par rapport à cette situation d'asile, par rapport à ces cartes et autres. Parce que c'est un fédéral, il maîtrise bien les choses et il va nous dire quelque chose en 5 minutes. Continuons facilement. Mais d'abord, je vais commencer au niveau du comparable que tu nous as dit. Moi, je tiens d'abord à dire aux auditeurs et aux auditrices et à toutes ces personnes qui ne sont pas aujourd'hui là pour nous regarder, qu'il est d'abord impossible de comparer l'incomparable. Selon moi, Alpha Condé n'est aujourd'hui comparable à aucun président africain. Malgré il y a des dictateurs là-bas, je suis consciente qu'il existe aussi des présidents dictateurs. Mais si aujourd'hui, on doit vraiment mettre cela sur un bout de papier, Alpha Condé doit être à la tête. Alpha Condé, d'abord, il existe 3 pouvoirs, nous le savons tous. Judiciaire, législatif et exécutif. Il a confisqué tous ces 3 pouvoirs-là à sa guise pour lui avoir ce qu'il veut. Exécutif, je suis d'accord, ça devait être pour le président, ça c'est partout dans le monde. Législatif devrait être là pour l'opposition, mais aujourd'hui nous savons où il a mis les opposants guinéens. Et judiciaire devrait être pour la société civile. Mais tout cela, nous savons qui sont à la tête de tous ces 3 pouvoirs. Donc, à partir de cet instant-là, sans compter le nombre de jeunes, le nombre de personnes qui ont lutté contre cette dictature qu'ils veulent infuser à cette nation guinéenne qu'il a assassinée. Il y a aujourd'hui plus de 200 jeunes assassinés sous l'ordre de Alpha Condé. Il n'y a jamais eu de justice. Il n'y aura jamais de justice parce que ce sont eux les coupables. Comment est-ce qu'on peut trouver un assassin tandis que c'est moi-même qui dis et que c'est à moi à partir de la justice? Il est impossible de comparer un malade mental et quelqu'un qui a sa cerveau au complet. Je ne suis pas d'accord, même qu'on les compare. Alpha n'a jamais venu en Guinée pour servir cette belle nation guinéenne. Alpha est venu en Guinée pour d'abord 2 choses. La première des choses, comme a dit mon frère Djibril, réaliser un rêve inattendu. Parce que nous savons à quel âge il a réalisé ce rêve. Et nous savons aussi l'histoire de 2010, je n'avais pas moi l'âge de voter, mais je connais l'histoire. En ces temps, même la constitution qui était là n'était pas en faveur de Alpha Condé parce que son âge ne lui permettait pas de se présenter. Mais nous, Guinéens, ces personnes qui ont pensé qu'il a lutté, pensant qu'il peut être un homme responsable, on a changé cette constitution pour que lui, il soit présenté. La première des choses, il voulait réaliser un rêve inattendu. La deuxième des choses, il avait une vengeance et cette vengeance a noirci le cœur d'Alpha Condé. Voyant le visage d'Alpha Condé, tu te poses la question, est-ce un humain? Est-ce un malade? Donc, on ne peut pas comparer Alpha Condé avec n'importe quel président, je l'ai dit, en voté illisible, quoi, et j'assume mes propos. Parce que quelqu'un qui a tué plus de 200 jeunes, quelqu'un qui a violé des filles, parce que les femmes qui ont été violées, c'est sous l'ordre d'Alpha Condé, parce qu'il est aujourd'hui le président de la République. Nos magasins, les boutiques vandalisées, les maisons brûlées. Quand on vient aux côtés de la Guinée forestière, chaque mois, il y a les affrontements entre des frères et sœurs qui ont grandi ensemble, qui ont vécu ensemble, qui ont lutté ensemble. Et cela vient d'où? Vient du Sékou Touré.
Donc, à cet instant, l'affaire Tidiane, moi, je dirais qu'on ne compare pas l'incomparable. Ça ne se compare pas. Alpha n'est qu'un dictateur, un assassin, un vieux malade. C'est un vieux malade. Donc, à ce, là, de ce niveau, je vais me limiter là. Okay. Et venons sur ce ministre qui se dit que Massanta ne doit pas ressembler à Bambéto parce que eux, Massanta est béni. Mais est-ce que vous-même, est-ce que d'ailleurs une personne consciente, une personne responsable, peuvent même accepter d'entendre ce mot deux fois? Toi qui aimes ton pays, toi qui veux qu'il y ait la lumière, toi qui veux qu'il y ait la justice, parce que tu sais que sans cette justice, il est impossible qu'il y ait cette paix. Et nous savons de tels propos ne va jamais amener la justice. Et quand il n'y a pas de justice, il est impossible qu'il y ait de la paix. Il a monté les uns contre, ils ont monté les uns contre les autres. Si ce n'est pas les peuls, c'est les malinqués, c'est les soussous, c'est les forestiers, c'est les gacanqués, c'est les mitiforés. Mais moi, j'invite tout le peuple de Guinée. Toute cette belle nation qui a lutté ensemble contre la colonisation, qui ont lutté ensemble contre toutes sortes de dictatures, de se relever, main dans la main, pour combattre cette injustice, afin qu'il y ait cette belle Guinée dont nous avons toutes et tous rêvé. Parce qu'à cet instant, ayant de tels ministres, je vous dis, nous serons encore replongés dans une, au fait, dans un trou où nous ne pourrons pas s'en sortir. Parce que là, c'est tous les vies. Bambéto, si aujourd'hui on dit les jeunes démocrates, si aujourd'hui on dit les personnes qui ont lutté contre cette injustice, nous savons tous et tous que l'axe sera premier. Leurs luttes ne sont pas une lutte communautaire, leurs luttes n'est pas une lutte pour eux, c'est une lutte pour tout un peuple, pour toute une nation aujourd'hui attaquée, perdue, détruite, anéantie. Donc là, je ne vais pas monopoliser. Je okay. tiens juste à dire au peuple de Guinée qu'on est une famille. Avant Alpha Condé, j'assistais au mariage. Quand j'ai perdu, si je perds un parent à moi, c'est mon voisin qui m'accompagne à enterrer, c'est pas Alpha Condé. Alpha Condé partira, le clan de Alpha Condé partira, mais la Guinée est une, est indivisible. Je vous remercie. Merci, belle conclusion. Oui, Big Soul. Bissou, tu es mute là. Oui, la famille. Là-bas, vous m'entendez? Oui. C'est bon, vous me recevez? Oui, continue, on t'entend. Ok, bon. Côté comparaison, je pense que voilà, tout est dit. Pour ne pas trop s'attarder là-dessus, on ne peut pas comparer un incomparable. On ne peut pas comparer un président qui est arrivé au pouvoir, qui a respecté sa parole. Un président qui n'a pas de parole. Donc là, je pense que c'est clair. Le président du Niger, il a promis qu'il va partir au bout de deux mandats. Et c'est ce qu'il a fait. Alpha Condé avait juré de partir au bout de son deuxième mandat. Et il n'a pas respecté. Il ne respecte pas Dieu, il ne respecte pas les humains, il ne respecte pas son serment. Donc tout est clair. Là, on passe sur ça. On ne peut pas comparer l'incomparable. Maintenant, bon, la sortie de ce ministre par rapport à la situation de Massanta avec une comparaison bête et piton, tu vois, disant que voilà, on ne peut pas comparer Massanta à Bambéto parce que bon, ceux de Massanta, ils sont bénis. Tu vois, bon, on a le ministre le plus médiocre au monde, le plus insensé, tu vois. À chaque fois qu'ils sortent, ils sont obligés de tenir des propos bêtes comme ça. Voilà, d'après ce que Djibril a dit, pour se faire remarquer, afin de tenir des postes, voilà, c'est éternel. Donc, il fait allusion à quoi? Que la population de Massanta se réveille comme ceux de Bambéto. Parce qu'à Bambéto, ce qu'il faut souligner, c'est que les gens, ils ont compris il y a longtemps, ça c'est depuis autant de Conté, ils ont compris c'est quoi l'injustice. Et ils dénoncent, ils se défendent face à l'injustice. Maintenant, bon, à Massanta, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas s'attarder sur ce ministre. On connaît les ministres d'Alpha Condé. C'est des médiocres, ils n'ont rien à dire, à part des propos divisionnistes, comme le fait Alpha Condé d'ailleurs. Maintenant, bon, à Massanta, ce qui est clair, c'est que les Thomas et les Thomamania doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas tomber dans les manipulations bidons. Hein, de ce gouvernement moribond
comme le dit tantôt évêque Fadiga ici, voilà, et puis s'entretuer. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain se lève un beau matin, qu'il prenne une machette et tu pars, tu tues ton voisin. Au nom de quoi? Au nom des histoires qu'on entendait bien avant la colonisation. Histoire de patriarche, histoire de... des trucs comme ça, des trucs bêtes comme ça. Les gens s'entretuent. C'est vraiment dommage. C'est à la population de Massanta qu'on doit se concentrer. Je pense qu'on ne doit pas détourner notre esprit sur ce ministre. Tout le monde connaît déjà les ministres et puis Alpha Condé eux-mêmes. C'est des gens, voilà, ils sont pas crédibles. Ils ne tiennent pas des propos sensés. Mais disons à la population de Massanta, à ces jeunes, à cette population qui s'entretue aujourd'hui, de ne pas tomber dans cette bêtise. Tu vois, c'est ce qu'ils avaient essayé au Fouta, entre les peuls, voilà, disant, bon, ils ont parlé de Manden Diallo. Ils ont essayé de monter les uns contre les autres pour qu'il y ait conflit. C'est dans l'esprit de diviser pour mieux régner. Et il faut pas que la population accepte. Donc, accentuons notre message à l'endroit de la population de Massanta aujourd'hui et sortons dans les débats inutiles. Voilà, calculons même pas les propos de ce ministre. Il n'est pas important. Ils ne sont pas importants. Ils savent qu'ils ne sont pas importants. Donc, la population de Massanta, comprenez que vous êtes des frères. Vous allez vous entretuer pour ne rien. Vous n'aurez rien, absolument rien en retour. On est tous dans la même galère. On est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, on coule avec le bateau. Merci, la famille. Merci. Annie Delove. Et Monsieur Éveil Guinée se prépare. OK. En continuation, merci de nouveau pour la parole. Je commence par dire que voilà, je ne vais pas déjà répéter ce que les gens ont déjà dit. Fasma a tellement bien intervenu. Tous ceux qui ont intervenu auparavant, je vous félicite. Vous avez déjà dit, vous avez tout dit. Et voilà, je commence par les deux présidents. On ne peut pas comparer, il n'y a pas de comparaison. Je répète la même chose, même si je ne voulais pas. Il n'y a pas de comparaison. Un président qui est venu soucier de son peuple, qui n'a fait qu'aider le peuple, qui a travaillé, qui est parti. Et un président qui est venu pour prendre son pays en otage, pour se venger de son pays. Donc, c'est deux trucs vraiment très différents. Donc, je répète la phrase de Fassma que Alpha Condé n'a pas son deux en Afrique de président pire. Alpha Condé est le pire de tous les présidents africains. La vérité, moi aussi, je le dis haut et fort. Parce que là, jusque-là, j'ai fouillé en Afrique. J'ai fait la comparaison entre tous les présidents aussi dictateurs que ça. Je vois que vraiment la qualité d'Alpha Condé, il n'y en a pas. Il est unique dans son champ. Hein? Il est unique dans son champ. Donc là, il n'y a pas de comparaison entre le président du Niger et Alpha Condé. Parce que Alpha Condé ne pensera jamais faire comme lui. Alpha ne peut pas. Il a sa mentalité à lui seul, il a son cerveau à lui seul, il a son cœur à lui seul. Donc, il n'y a pas de comparaison. Je félicite le président du Niger. Et voilà, je prie tout simplement que Dieu nous donne des suivants présidents comme lui, qui viennent travailler démocratiquement, aider le peuple et partir dans l'honneur. Mais je ne compte pas sur Alpha Condé qu'il puisse faire la même chose. On sera avec Selouda Lengialo avant même 2026. Parce que Alpha, il va pas finir son mandat là. Ils vont se mélanger là-bas entre eux. Crois-moi. OK. Je passe rapidement sur le second sujet qui est du ministre Chiffon. Vous voyez, hein? C'est un ministre Chiffon, pour commencer. Un ministre m'as-tu vu en plus, qui veut se faire voir pour défendre ses intérêts personnels auprès d'Alpha Condé. Mais on peut pourtant défendre ses miettes auprès d'Alpha Condé sans pourtant annoncer des mots d'incendie, hein, sans pourtant créer de la zizanie entre deux communautés ou bien... Parce que ce qu'il a dit, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Il faut parfois calculer avant de parler. Parce que ce que tu dis, c'est facile de parler, hein? C'est très facile de parler, comme nous sommes tous là. Même où on est à l'instant, chacun de nous est en train de réfléchir avant de parler. Parce que non seulement c'est gravé, mais la parole, quand tu finis de le dire, l'effet que ça va faire après, c'est ce que tu dois aussi analyser. Comment ça va blesser les gens? Donc, préfère dire des mots qui peuvent arranger la plaie des gens que d'aggraver. Donc, si franchement, ce ministre Chiffon n'avait rien à dire, il pouvait la fermer tout simplement. Au lieu de venir nous raconter vraiment des bobards, des paroles qui remis du couteau dans notre plaie. Voilà. Donc, j'ajoute que ces ministres ne sont pas là pour le peuple.
Ces ministres ne seront jamais là pour Massanta, ni pour Zérekore, ni pour Yomou, ni pour Lola, ni pour quoi que ce soit. Ces ministres ne foutent rien. Les Papakoli, Michel Bami, les Oye, quoi, quoi, ce sont des gens qui foutent rien en forêt là-bas. Moi, je suis forestière, moi, je ne connais pas leur toute petite trace où on me dit voilà l'œuvre des ministres. Voilà ce qu'a fait un tel ministre. Durant les 10 ans, jusque-là, ils continuent encore. Durant tout leur temps qu'ils font dans la mouvance, durant tout le temps qu'ils ont fait en occupant des postes, on ne sait pas, hein? On ne sait pas. Comme ils gagnent l'argent, c'est ça, moi, je le dis tout le temps, que ce soit en dialecte comme en langue nationale. Il y a une manière de chercher l'argent. Lorsque toi, tu te nourris, ton argent que tu gagnes, c'est au prix des larmes des innocents, l'argent, là, tu ne peux rien faire de ça. Ou ça rentre, tu ne le connais pas. C'est-à-dire, c'est toi toujours qui cours auprès de l'argent, mais tu ne le gagnes jamais. Toi, tu n'es jamais boss. Toi, tu mendies tout le temps. Tu te crois différent, tu te crois mieux que les autres. Mais en réalité, non. Ton argent, tu penses que tu as là, mais tu ne gagnes pas quoi. Tu ne gagnes pas. Donc, ces ministres-là, devant nous, les forestiers, là, nous, on ne les connaît même pas. Massanta ne les connaît même pas. Oh, yes, c'est quelqu'un, Massanta ne le connaît pas. Il fout quoi pour Massanta? Il n'a pas d'œuvre là-bas, il n'a pas d'histoire. Non, on ne les connaît pas. Ce sont des gens, nuit et jour, ils remis du couteau dans notre plaie. Ce sont des gens, nuit et jour, ils nous vendent. Ils vendent nos forestiers à Alpha Condé pour avoir des miettes. Et leurs miettes-là ne les apportent rien. Tous les jours, tout le temps, ils cherchent, mais ils ne gagnent jamais. Ils cherchent, ils ne gagnent jamais. Parce que c'est péché. C'est l'argent de notre arme. C'est l'argent de nos larmes. C'est l'argent de notre sang. Donc, moi, je dis vraiment que ces ministres-là nous foutent la paix. Et je suis de cœur avec Massanta, qu'on ne calcule même pas ces ministres, parce qu'ils ne changeront jamais. Moi-même, c'est ça même mon problème. Le problème est qu'ils ne changeront jamais, donc on ne compte pas sur eux. Okay. Ils sont comme les chiens qui ne changeront jamais sa manière de s'asseoir. Ils ne changeront jamais. Donc, Yako, peuple de Massanta, je suis de cœur avec vous et je fais appel à la paix. Merci. Surtout, ce sont des enfants, ce sont des enfants d'une même ville. Donc, vous n'allez pas déchirer Massanta aujourd'hui. Les Thomas Mania, bah, les vrais Thomas, bah, quoi, quoi, bah, moi, je ne connais même pas l'histoire. Tout ce que je sais, c'est Thomas. Mais moi, garder chez moi, c'est Massanta. Un Thomas, je lui, c'est donc, tout ça, là, c'est les paroles de division, c'est chez moi, c'est ici. Non, 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 nous sommes tous des Guinéens. C'est le rouge, jaune, vert qui gagne. Tolérons, non, pardonnons, non. Que la paix revienne à Massanta. Merci. Que la paix revienne. Je suis pour la paix à Massanta, je vous remercie. Amen, amen. Merci vraiment. Partout même en Guinée. Et on va continuer avec M. Fadiga avant de prendre le fédéral de Londres pour des précisions par rapport à ses attestations et cartes de membres. Et ne quittez pas, vous aurez chacun d'entre vous 2 minutes pour donner vos incisés au soi. Et chacun d'entre vous fera ça tout de suite après le fédéral. Monsieur Fadiga. Voilà, merci Tidiane et merci à tout le monde. Je suis vraiment désolé, comme tu l'avais dit, je suis en instance de voyage et ce n'est vraiment pas facile. Et je vais faire juste un survol sur tout ce que nous avions dénoncé pour laisser la place au fédéral de Londres. Concernant le sujet sur les asiles, je vais dire aux militants du RPG qui ne sont pas arrogants, qui croient à RPG, qui sont guinéens, qui ne doivent pas s'inquiéter, qui ne montent pas sur les réseaux sociaux pour insulter l'intelligence des Guinéens, mais ils sont juste des Guinéens qui croient au RPG. C'est tout à fait leur droit et qui ont pris la mer pour aller chercher la meilleure vie ailleurs. C'est tout à fait leur droit. Si je peux les aider, je vais les aider. Mais les militants arrogants, les maudits blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent les gens du matin au soir et qui disent que tout va bien en Guinée, ils savent consciemment que ça ne va pas en Guinée. Pour ces gens-là, nous allons mettre des commissions sur place. Nous allons travailler. Ce n'est pas du tout facile. Tout est numérique maintenant. On va écrire des lettres avec leurs vidéos à l'appui, là où ils disent que tout va bien en Guinée, qu'ils défendent Alpha Condé. Pourtant, Alpha Condé est désavoué par la communauté internationale même. Il est désavoué par la France. Et si l'administration française, surtout ceux qui sont chargés de travailler sur l'immigration,
savent que vous, vous faites l'éloge et Alpha Condé, vous dites que ça va bien en Guinée, et pourtant c'est le contraire, mon gars, votre papier sera menacé. Et nous serions là pour mettre la menace sur vos dossiers. Et on le répète encore, c'est pour les maudits blogueurs, c'est pas pour les RPG simples là, qui sont dans leur coin, qui cherchent une meilleure vie. Et bonne chance à vous aussi. Si je peux vous aider, je vais vous aider. Mais les maudits blogueurs, on est dans le combat. Le combat ne fait que commencer. Et ces vidéos-là, nous reviendrons ces vidéos sur chaque jour. On va, nous ne sommes pas là en train de dire quelque chose de mal, hein, pour mettre ceux qui demandent l'asile en mal. Non, on ne dit rien de mauvais ici. On le dit en français encore. Et on veut que ces gens-là sachent qu'il y a des personnes qui demandent l'asile dans le faux parce qu'ils défendent le pouvoir. Nous allons envoyer leurs vidéos là-bas. Voilà. Très bien. Et concernant le sujet de comparaison entre Alpha Condé et Mamadou Issoufou, il ne faut pas les comparer. C'est comme comparer le ciel et la terre. C'est comme comparer Ronaldo et un non-joueur, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut dire, quoi. Donc, ce n'est pas faisable. Alpha Condé ne peut pas être comparé à Mamadou Issoufou. Et Alpha Condé, il s'est autoproclamé, il s'impose en dictateur parce qu'il a un peuple faible. Parce qu'il a un peuple manipulable à merci. Il a un peuple qui se laisse diviser. C'est juste à cause de ça. Sinon, Alpha Condé n'est pas fort. Alpha Condé n'est pas fort. C'est le peuple guinéen qui est faible. Un côté, en plus, hein, c'est pas tout le monde. C'est un côté du peuple qui est faible, qui est manipulable, qui croit que c'est Alpha Condé, c'est Dieu. Et il se comporte en Dieu à cause de ça. Donc, il faudrait que le peuple guinéen se réveille. Mais je pense que ça ne va pas être loin maintenant. Ce n'est pas loin maintenant, le réveil du peuple de Guinée. Ils se réveilleront, ils sauront que Alpha Condé, il n'est pas puissant que Mamadou Kadhafi. Hein, Mamadou Kadhafi, il n'est pas plus puissant que Gbagbo. Il n'est pas plus puissant que Ibeka. Le peuple guinéen se réveillera et il mettra Alpha Condé dehors. Parce qu'ils ne comprennent pas pour le moment. Et pour finir, Oye Gilavogui n'est pas de Massanta. Hein. Peut-être il porte le nom Gilavogui, mais il n'est pas de Massanta. Oye Gilavogui est de Kindia, de ma ville. Il est de Kindia. Il a ses réalisations là-bas. Il se considère comme Kindiaka. Et s'il dit qu'il ne faut pas considérer les gens de Massanta, les gens de Massanta ne doivent pas se comparer comme les gens de Bambetou, c'est insulter les gens de Massanta. C'est mettre le feu sur l'huile. Parce que les gens de Bambetou se battent pour une cause. Ils ne s'entretuent pas entre eux, mais c'est l'État qui prend l'arme. Et quand je dis l'État, c'est Alpha Condé qui donne l'ordre à Bafoué et Ibrahim Baldé de partir massacrer des gens. On massacre les gens de Bambetou. Et pourtant, à Massanta, c'est une situation déplorable que je déplore, que je condamne, qui perdure, qui a duré depuis des années. Au lieu de rassembler ces gens, on vient avec des analyses bidons. Et moi, je prierai tout le monde de ne pas donner une considération à ces ministres qui a été renvoyé du gouvernement Sidia pour vol. Il a été radié de la fonction publique par Kassori. C'est Kassori qui l'a renvoyé du gouvernement parce qu'il est un voleur, il a détourné l'argent. Donc, il ne faut pas donner assez d'importance à ces messieurs. C'est Alpha Condé qui donne l'importance aux gens qui ne sont pas importants. Nous, notre combat, ce sont les maudits blogueurs. Et nous sommes sur ça. Et salut à tout le monde. Nous sommes là pour la conclusion. Merci et pour ne pas monopoliser le débat. Merci. Merci vraiment, M. Fadiga, évêque Guinée. Et avant de passer la parole à M. Abdou Karim, je vais juste préciser, comme l'a dit Fadiga, les gens ne doivent pas se lancer dans cette inquiétude. On n'est contre personne des gens dont on est en train de parler. Les RPGistes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos adversaires. Si on a des ennemis, ceux qui dirigent le pays, ce sont eux, parce que c'est eux qui tuent, qui manipulent, qui font tout. Moi, je les considère comme des ennemis. Voilà. Et en plus, Alpha, croyez-moi, les crises qui vont pointer à l'horizon ne vont pas laisser Alpha. C'est pourquoi je vous dis, on aura une élection en Guinée avant 2026. Croyez-moi, c'est ce que je vous dis. Il y aura des multiples crises. Ils ne pourront pas gérer ce pays-là. Ils ne pourront pas. Trop de tensions. Monsieur Abdou Karim,
nous revenons à vous en tant que fédéral et voilà, vous allez nous faire des précisions par rapport à cette affaire des cartes ou de cartes membres et d'attestation, parce que actuellement il y a ce que c'est le débat au fait sur les réseaux sociaux. Donc vous écoutons en tant que fédéral, vous êtes mieux placé pour nous en dire. Allô, vous me recevez là? Oui. Alors, ok. Avant tout, merci beaucoup, Tidiane La Puissance, pour ce grand honneur que tu me fais, en tout cas, de participer à cette rencontre Zoom pour échanger sur la situation de notre pays. Je voudrais, avant de commencer, saluer les uns et les autres, ces grandes personnalités, je dirais, ces grands activistes, à commencer d'abord par toi, Tidiane, sans oublier Bascott Lagny, le Kountigi, Annie Delove, Fatma Ba, AJ224, Éveil Guinée et Big Soul 224. Vous savez, moi je vois là la Guinée, je vois là la jeunesse. Vous êtes aujourd'hui, sans langue de bois, hein, une fierté pour le peuple de Guinée, une fierté surtout pour sa jeunesse. Aujourd'hui, vous vous êtes inscrit dans le cadre de défendre des valeurs, dans le cadre d'être les voix des sans-voix du peuple de Guinée. Vous essayez de discerner entre la vérité et le mensonge. Vous essayez de défendre la vérité. Moi, je ne ferai que vous encourager, vous féliciter et vous dire bon courage. Vous savez, peut-être vous n'allez pas réaliser maintenant tous ceux qui font le combat, mais ce qui reste clair, l'histoire va retenir que vous êtes inscrit dans le cadre de l'histoire pour la défense des droits, des valeurs et des libertés du peuple de Guinée. Ça, c'est inscrit dans une tâche indélébile et ça restera dans l'histoire. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de foncer, rester dans votre conviction, essayer de travailler dur, essayer de persévérer, et n'ayez surtout pas peur. Mon cœur, surtout, va dans le cadre de nos collègues qui sont en Guinée, les AJ224. Nous savons tout ce que vous traversez en Guinée, parce qu'aujourd'hui, il suffit simplement de dénoncer la vérité pour que toute une armée s'abatte contre toi pour essayer de t'anéantir. Alors, je vous tire un coup de chapeau et vous encourage de continuer sur cette lancée. Et la Guinée, vous avez tout dit, hein, toutes les voix que vous avez soulevées ici, je ne vais pas revenir. Vous décrivez d'ailleurs très bien la situation. C'est comme si vous êtes tous en Guinée, vous vivez cette situation du jour au lendemain. Mais ce que vous dites, c'est exactement ça. Aujourd'hui, la Guinée, s'il faut résumer le cas guinéen, c'est entre le bien et le mal. Alpha Condé et son système et son clan mafieux, ils incarnent le mal. Et le reste du peuple guinéen incarne le bien. D'accord, vous savez, il est très bien dit, nous sommes des Guinéens, nous savons bien nos traditions. À beau que le mensonge va continuer à persister, un jour la vérité va venir et va chasser le mensonge. D'accord, donc c'est une question de temps. Donc continuons à nous battre, continuons à aller sur cette lancée et Inch'Allah, nous allons avoir la victoire, nous allons succéder. Ce pays va revenir vers nous. Pourquoi? Parce que nous défendons la vérité. La vérité, tôt ou tard, c'est le bon Dieu qui nous a dit. La vérité va jaillir. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Abdul Karim Diallo, je suis guinéen aussi comme vous, et je réside à Londres. Je suis le secrétaire général de l'UFDG au niveau de l'Angleterre. Il faut bien préciser, au niveau de l'Angleterre. Et depuis en 2017, j'ai été investi par un congrès étant le fédéral de l'UFDG au niveau de l'Angleterre. Donc ici en Europe, nous sommes organisés en coordination. Nous avons 11 fédérations. Et presque chaque pays ici au niveau de l'Europe, nous avons une fédération UFDG avec des sections, des comités de base et des organisations de la jeunesse, mais aussi bien des femmes. Donc, nous essayons d'évoluer à l'image même de la structure structure de nos partis en Guinée avec des statuts et des règlements intérieurs. Voilà, donc je ne vais pas trop m'élargir sur ça. Et nous avons un projet de société qui en fait définit tout ce que nous défendons, l'être humain, les droits humains. Et c'est le premier volet sur lequel l'UFDG s'accentue dans son combat depuis en 2010. Quand vous lisez le projet de société de l'UFDG, de passage, il est accessible, hein, même celui de 2020, on l'a déjà mis sous public. Donc, Tidiane, il faut aider les uns et les autres afin qu'ils entrent en contact avec ce projet de société, parce que ça nous définit. La meilleure façon de connaître l'UFDG, j'encourage tout un chacun, d'abord, c'est de lire la constitution de l'UFDG, c'est de lire le projet de société de l'UFDG et d'essayer de connaître le responsable, le leader de l'UFDG, la personne de la Cellou d'Alain Diallo. Aujourd'hui, sa biographie est accessible au sein des réseaux sociaux, au sein même de l'Internet. Vous pouvez lire, vous pouvez connaître cette personne.
Et dans la même mesure du possible, vous pouvez avoir accès à cette personne. C'est un leader guinéen qui essaie d'être à la hauteur des Guinéens. Il est accessible. Il peut communiquer avec vous. Il n'y a aucun problème. Toute question que vous voudrez bien le poser, n'hésitez pas. Et nous, nous sommes des représentants de l'UFDG. Nous sommes dans ces différents pays. Nous incarnons le leadership de Ella Sellou d'Alain Diallo partout où nous sommes. Nous sommes aussi accessibles. À tout moment, vous pouvez nous contacter. Nous avons nos contacts au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est à l'intention de tous ceux qui nous suivent, Tidjan, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent à travers Facebook. Voilà, et dans les différentes plateformes aussi. Voilà, donc, pour revenir un peu au sujet, je sais que vous avez abordé un sujet très important aujourd'hui. C'est par rapport au droit d'asile politique. Je vais dire politique parce que si nous parlons de l'asile, en ce qui concerne l'UFDG, c'est dans le cadre politique que nous allons le placer. Parce que n'oubliez pas que dans le cadre de l'immigration, il y a beaucoup d'axes. Certains peuvent avoir un asile, faire une demande d'asile liée à un fait économique. Par exemple, l'économie de nos pays ne va pas du tout. Les gens peuvent fuir parce que l'économie n'offre rien. Donc, ils peuvent aller demander l'asile dans un pays où ils pensent que et ils peuvent être vraiment pris en charge dans ce domaine. Il y a le cadre social aussi, parce que nos sociétés, n'oubliez pas, il y a beaucoup de problèmes qui touchent nos sociétés. Les gens peuvent avoir des problèmes liés aux problèmes de société qui font qu'eux-mêmes, ils immigrent vers un autre pays et font une demande d'asile qui est liée à un problème social. Voilà, pour peut-être être beaucoup plus précis, on peut parler, par exemple, de certaines personnes qui ont un problème, par exemple, d'excision chez les femmes. Vous savez, c'est un délit dans d'autres pays. Donc, les gens qui ont été victimes de cela, par exemple, peuvent aller dans un pays et faire une demande d'asile. Donc, il y a beaucoup d'autres cas aussi. Je cite ça seulement à titre d'exemple. Maintenant, il y a le cas le plus saillant, c'est le cas économique, c'est le cas politique, l'asile politique. Aujourd'hui, c'est ce qui, d'ailleurs, touche beaucoup plus la Guinée. Parce que n'oubliez pas que depuis en 2010, les Guinéens, politiquement, ont été malmenés, politiquement, ont été assassinés, politiquement, ont été emprisonnés, politiquement, ont été privés, en tout cas, de tous leurs droits. Et ça, c'est par la faute d'un régime incarné par Alpha Condé et son système. Et donc, tous les pays presque du monde, la plupart, beaucoup de pays ont souscrit à ce droit d'asile qui fait que les gens peuvent en fait immigrer s'ils ont été persécutés politiquement dans leur pays, aller dans un autre pays et faire une demande d'asile pour qu'ils soient protégés. Donc, l'UFDG obéit là à des lois en fait, parce que en tant que parti politique, qui est le parti politique de l'opposition, qui s'est opposé à Alpha Condé depuis en 2010 et qui continue à s'opposer Alpha Condé, compte tenu du fait que le régime d'Alpha Condé n'a jamais voulu respecter les droits humains, surtout, et n'a jamais voulu respecter la démocratie. Donc, l'UFDG s'est érigé en se battant pour, en fait, changer cet état de fait. Mais dans cette lutte, l'UFDG a été toujours victime. Le peuple de Guinée, je dirais d'ailleurs, dans son ensemble, a été toujours victime. Donc, s'il fait que les gens ont le droit de fuir cette persécution dont ils sont victimes au sein de leur pays, pour aller en fait faire une demande d'asile dans un pays où ils peuvent se sentir protégés. Donc l'UFDG en fait maîtrise parfaitement bien ce sujet en fait. S'il fait que l'UFDG s'est inscrit dans le cadre d'une défense des droits humains auprès du peuple de Guinée. Donc vous savez, depuis au début, dans les années 2010, 2011, je crois jusqu'en 2012, beaucoup de Guinéens ont immigré vers les pays, vers l'Occident surtout, en Europe ici et du côté des États-Unis, et ont fait des demandes d'asile. Mais qu'est-ce qui s'est avéré? Beaucoup de gens venaient en Occident faire leurs demandes d'asile et politiques en se fondant sur l'UFDG. Maintenant, vous savez, la procédure voudrait que, quand vous faites une demande d'asile à travers un parti politique, il faudra que le parti politique puisse vous identifier, le parti politique puisse vous reconnaître que vous êtes un militant du parti. Alors, dans ce sens, il faudra que le parti vous délivre non seulement une carte de membership, une carte de membre, mais aussi une lettre d'attestation. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans les années antérieures? C'est que beaucoup de gens, une fois qu'ils faisaient leur demande, ils essayaient de contacter la Guinée. Et en Guinée, là-bas, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de gens qui faisaient de faux papiers sous le nom de l'UFDG. Des faux papiers, ils signaient, ils mettaient le cachet et tout. Ils envoyaient ces papiers vers ces demandeurs d'asile. Certains, ils réussissaient quand même, mais par contre, d'autres, après vérification, il s'avérait que c'est des faux papiers, c'est du faux. Donc, on rejetait leur asile. Ce qui fait que le parti en a fait une rencontre au niveau du conseil politique pour essayer de clarifier tout ça, pour essayer, en fait, de faire une déclaration et rédiger une lettre et envoyer à toutes les structures du parti
et notamment à l'extérieur. Nous, par exemple, ici en Angleterre, on a reçu une lettre qui a été signée par le vice-président, et Dr Fode Oussou Fofana, et qui, de passage, est le vice-président en charge des affaires sociales et juridiques, donc qui relève de son domaine. Il nous a envoyé une lettre signée comme quoi, si vous avez des militants, si vous avez des Guinéens au sein de votre pays qui font une demande d'asile et qui viennent vers vous pour que vous les délivriez des cartes de membres, pour que vous les délivriez des lettres d'attestation comme quoi ils sont des Guinéens, ils ont été en tout cas persécutés dans le cadre politique, n'hésitez pas à leur fournir ces documents. Donc depuis presque en 2012, nous travaillons dans ce cadre-là. Et je ne vous cacherai pas, c'est vrai que j'ai entendu certains mentionner que beaucoup font des demandes d'asile en fonction des partis politiques de l'opposition chez nous. Mais moi, je vous dirai, parce que c'est en connaissance de cause, moi qui suis fédéral, je rédige beaucoup de lettres pour des Guinéens qui viennent vers nous ici. Mais je dirais que les 80% de nos compatriotes guinéens qui viennent ici, par exemple en Angleterre, pour faire une demande d'asile, ils le font sous l'UFDG en fait. D'accord. Mais nous, comme vous le savez, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons toujours de nous baser sur le cadre général, parce que l'UFDG est un parti reconnu, d'abord sur le plan libéral, sur le plan international, même les institutions ici, par exemple, quand je prends le cas de l'Angleterre, les institutions européennes ici, les institutions qui s'occupent de l'immigration connaissent le cas de l'UFDG, et c'est des institutions aussi qui savent pertinemment bien l'exacerbation des droits humains au niveau de notre pays. Donc, s'il fait que ça nous donne la légitimité, dès que nous rédigeons les lettres et que nous signons, ces lettres sont automatiquement reconnues. D'accord. Donc, c'est juste pour faire cette clarification, en fait. Donc, maintenant, le parti a été clair là-dessus. Si vous avez des militants vers chez vous qui veulent avoir des documents, nous souhaitons à ce que vous-même vous les délivrez. Essayez de les reconnaître parce qu'ils vivent là-bas, au lieu qu'eux-mêmes, ils ne nous contactent directement en Guinée ici ou au niveau de la direction nationale du parti. Donc, il faut lever cette équivoque. À l'intention de tous ceux qui nous demandent, qui sont dans cette situation d'immigration et qui voudraient vraiment avoir des documents qui puissent les aider dans leur processus d'asile, nous les sensibilisons afin qu'ils rentrent en contact avec nous. Moi, je suis fédéral. Je reçois régulièrement des Guinéens qui viennent vers nous pour qu'on les rédige des lettres, pour qu'on les offre des cartes de membres afin qu'ils soient en tout cas reconnus dans leur droit d'asile. Maintenant, le cas que nous avons assisté dernièrement par rapport à certains, notamment vous avez cité certains blogueurs qui quand même ont fui le régime d'Alpha Condé, qui ont été aussi sous la persécution du régime d'Alpha Condé, parce que l'ignorance fait que pour un problème, je ne sais pas, peut-être ethnique, ils se disent, eux, ils sont pour Alpha Condé, d'accord? Donc, ils vont jusqu'à ce que ils arrivent ici, ils demandent de l'asile au nom de l'UFDG, d'accord? Mais nous, ce que nous pouvons dire par rapport à cela, parce que ce qui est fait, maintenant, à partir de l'instant, nous allons prendre nos dispositions. Parce que ce qui reste clair, on ne peut pas accepter quelqu'un qui se dit guinéen, qui arrive ici en Occident, qui se met du jour au lendemain à faire des déclarations à travers les réseaux sociaux, comme quoi le régime d'Alpha Condé est un régime démocratique, le régime d'Alpha Condé est un régime qui respecte la justice ou les droits humains, alors que nous savons que c'est du faux. Donc, à ces gens, qu'ils entendent, qu'ils nous écoutent très bien, on ne peut plus leur délivrer des attestations. Mais aussi, à toutes ces personnes qu'on a eu à délivrer des attestations ou des cartes de membres qui se livrent aujourd'hui à cet exercice, à venir sur les réseaux sociaux, à s'attaquer à l'UFDG, à s'attaquer aux responsables de l'UFDG, à s'attaquer au peuple de Guinée, à s'attaquer à tout le monde aujourd'hui qui dénonce la vérité, nous irons jusqu'à leur opposer, en tout cas, un droit d'asile, parce qu'on peut le faire. On peut réécrire des lettres, comme quoi dire à ces autorités ici, ces personnes, en réalité, tout ce qu'ils vous ont déclaré comme déclaration par rapport à leur asile, qui c'est du faux et c'est du non fondé. Donc ça, on peut le faire, nous sommes capables de le faire parce que nous sommes reconnus et légalement ici. Donc ça, c'est à l'intention des personnes aujourd'hui et qui se livrent, par exemple, à venir nous dire que le régime d'Alpha Condé est un régime où tout fait bon vivre, alors que c'est du faux, alors que c'est du non fondé. D'ailleurs, la raison assez simple, vous l'avez dit, pourquoi être à l'extérieur et dire que le régime d'Alpha Condé est bien? Si le régime était bien, vous seriez resté en Guinée où vos droits seraient protégés. Vous êtes en Guinée, tout le monde est pauvre aujourd'hui, tout le monde est victime du système Alpha Condé. Ce n'est même pas une question de l'UFDG ou une question d'ethnie ou de communauté. Aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée qui empathie
à la mauvaise gouvernance, à l'incompétence, à l'irresponsabilité, à l'injustice du régime d'Alpha Condé. Et ça, nous n'hésiterons pas de le dénoncer. C'est un régime qui est incarné par un petit clan. Il ne faudrait pas qu'on se trompe dans nos analyses. C'est un petit clan aujourd'hui qui incarne le système Alpha Condé. Et ce clan regroupe toutes les composantes de la Guinée. Et tout à l'heure, vous étiez en train de parler de Ole Gilavogui, qu'on a vu à plusieurs reprises. C'est un forestier, on ne peut pas le nier, parce qu'avec son nom Gilavogui, automatiquement, c'est un forestier. Mais aujourd'hui, il est dans le système de Alpha Condé. Donc, c'est ce petit clan-là qui regroupe aussi les autres ethnies, hein, les Peuls, les Soussou, les Malinké. Toutes les autres ethnies sont là. Ils ont réussi quand même à faire ce petit clan qui aujourd'hui constitue le mal commun pour toute la République de Guinée. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Alpha Condé, il faudra le dissocier de l'ethnie Malinké, bien qu'il ne soit pas Malinké, parce qu'il se réclame juste de la Haute Guinée, mais il ne l'est pas. Il faudra aussi qu'on le précise. Il est du Burkina Faso, son père était Mossi. Donc, s'il faut restituer chacun son origine, chacun d'où il vient exactement, on ne peut dire qu'Alpha Condé, il est du Burkina Faso. C'est ce qui fait d'ailleurs le mal aujourd'hui. Parce que si Alpha Condé était un vrai Guinéen, il avait le cœur d'un Guinéen, il n'allait pas se livrer à assassiner le peuple de Guinée, à commettre l'injustice aujourd'hui qu'il commet sur le peuple de Guinée. Donc, pour conclure, en fait, je dirais simplement que nous, en tant que responsables de l'UFDG, qui sont généralement ici à l'extérieur, je parlerai du cas de l'Europe, parce qu'en Europe, ici, nous avons une coordination, nous travaillons régulièrement, nous échangeons régulièrement par rapport à l'évolution du parti au niveau de l'Europe ici. Donc, nous allons inscrire et ce point dans nos débats pour qu'on puisse quand même prendre cette responsabilité. Vous nous avez alerté, merci beaucoup pour ça. Donc, c'est bien noté et nous allons tout faire, en tout cas, pour que, à partir de l'instant, les gens qui profitent, en tout cas, de l'UFDG, surtout les gens qui sont du RPG, ces blogueurs qui viennent raconter du n'importe quoi sur l'UFDG, raconter du n'importe quoi sur les citoyens guinéens, raconter du n'importe quoi sur un régime moribond, et barbare et criminel. Donc, ils n'auront plus droit, en tout cas, à cette protection que l'UFDG offre pour que les gens, en tout cas, puissent avoir un droit de protection. Donc, Tidiane, sans trop m'élargir, je voudrais me limiter là, tout en te remerciant une fois encore et en remerciant les uns et les autres dans le combat qu'ils sont en train de mener, tout en les encourageant et les félicitant pour dire que c'est vrai que nous ne nous échangeons pas souvent. Il y a beaucoup de choses peut-être que l'UFDG essaie de faire que beaucoup ne savent pas, parce que nous travaillons beaucoup plus à l'interne que de sortir et faire certaines communications. Mais nous disons que c'est un parti guinéen. Nous croyons que l'UFDG incarne aujourd'hui le peuple guinéen à travers les élections que le peuple de Guinée a pu offrir quand même à l'UFDG. Nous ne cesserons de le dire que les élections du 18 octobre 2020 ont été hautement gagnées par l'UFDG. Et sous le concours du peuple de Guinée, beaucoup de barrières ont été cassées, malgré tout ce que nous connaissions avant, à travers, par exemple, le fichier électoral, parce que nous, on a battu Alpha Condé avec son propre fichier. C'est vrai qu'il a taillé le fichier sur mesure, pensant que tous les Guinéens qui sont inscrits dans ce fichier, notamment la Haute Guinée, allaient entièrement voter pour lui, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, son bilan a été contre lui et le peuple de Guinée a su faire le choix rapidement le 18 octobre en votant massivement pour l'UFDG qui est arrivé en tête avec 53,84% des suffrages. Et nous avons des preuves pour démontrer. Quiconque est intéressé à cela, nous allons le démontrer. Ce n'est pas juste une façon de parler. Tout nous avons les preuves et nous nous sommes investis effectivement pour gagner ces élections. De passage, ces élections, nous avons été à ces élections parce que le parti le voulait ainsi. Toutes les structures, moi qui vous parle, ma fédération a été consultée, comme les 75 autres fédérations de l'UFDG qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Tout le monde a été consulté. 80% des structures du parti ont dit, écoutez, nous préférons aller dans ces élections et nous allons battre Alpha Condé dans les urnes. C'est la continuation du combat pour barrer la route à Alpha Condé. Et nous l'avons fait, nous l'avons assumé et nous avons gagné. Nous avons toutes les preuves aujourd'hui. D'ailleurs, le monde entier nous l'a reconnu. Toutes les chancelleries du monde entier nous l'ont reconnu, notre victoire. Et on a contacté beaucoup d'organisations, on a envoyé toutes les preuves qui sont irréfutables, qui prouvent qu'effectivement, on a gagné ces élections. Donc, nous, on ne fait plus de débat sur ça. Nous considérons jusqu'à preuve de contraire. C'est Loudalène Diallo est investi d'une légitimité populaire. C'est le peuple de Guinée qui l'a investi comme président de la République. Donc, nous allons continuer le combat. Alpha Condé, aujourd'hui,
il gouverne à travers l'armée. C'est l'armée qui le maintient là, parce que notre armée, je suis désolé, n'a pas été une armée républicaine, mais il faut le reconnaître que c'est lui qui gouverne le peuple de Guinée, c'est bien le président Sélou et Dalein Diallo, parce que ce peuple même qu'il a investi sa légitimité populaire en votant massivement pour lui. Donc le combat continue, comme tu l'as dit Tidiane, c'est une question de temps. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle, parce que nous allons récupérer notre victoire. Alpha Condé n'aura jamais la paix parce qu'il est dans un pouvoir qu'il n'a pas mérité. Il veut aller avec le forcing. Nous disons qu'il ne va pas réussir parce que l'UFDG va s'ériger contre lui, le peuple de Guinée va s'ériger contre lui et le peuple de Guinée va récupérer sa victoire est légitime. Merci. Merci une fois encore et salut à tout le monde. Merci vraiment. Merci, M. Abdou Karim, par rapport à cette brillante intervention, surtout les précisions que vous avez à faire. J'espère que vous allez nous aider auprès des autorités du côté de Conakry par rapport à cette affaire d'attestation, même élargie au niveau de tous les autres fédéraux, des États-Unis et aussi de l'Europe. Vous allez coordonner parce qu'il y a une, il y a une coordination de toutes les fédérations de l'étranger. Vous devez coordonner ça pour vraiment trouver une solution par rapport à ça, comme vous venez de le dire. Merci et surtout bonne soirée du côté de Londres. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. OK, chers amis, nous allons clôturer ce débat, un sujet au choix, et nous sommes vraiment pris par le temps, vous allez m'en excuser. Je voudrais souligner quelque chose comme effacement. Si ça ne dérangerait pas, juste je vais vous dire au revoir, parce que mon téléphone là est à 5% pour ne pas qu'il s'éteigne sans que je dise quelque chose, quoi. Et l'autre... OK, là d'ailleurs, chacun n'aura que 2 minutes. On va juste clôturer. Okay. Et utiliser au choix 2 minutes et je vais mettre sous chrono, parce que je dois contrôler le temps. OK, je commence par toi alors, pour ne pas que ton téléphone te lâche. D'abord, avant tout, je tiens à féliciter tous ces membres-là dont on a organisé ce débat et surtout toi, je tiens à te remercier pour ce combat que tu es en train de mener tout le temps. Réunir des personnes qui ont une même vision, c'est une façon surtout de structurer et d'organiser des bonnes choses pour le futur. Donc, je tiens aussi à féliciter tous mes frères ici et à ma jumelle Annie Delove, tous mes frères Djibril, Big Soul, Éveil Guinée, toi personnellement. Et Basse Guinée, j'ai oublié quoi, je suis désolée. Basse Côte Lagny. Donc, Harry, d'abord, je remercie toutes ces personnes qui ont participé à ce débat. Je remercie aussi toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous regarder, de partager et surtout de nous soutenir. Parce que ce combat dont nous sommes en train de mener est un combat noble. J'invite le Guinéen, tous les Guinéens, de se réclamer toutes et tous guinéennes et ne jamais baisser les bras contre cette dictature. Moi, j'en suis sûre et convaincue que nous allons y arriver et cela très bientôt parce que nous sommes déterminés à y arriver et nous savons que la vérité est avec nous. Je remercie mes frères et sœurs blogueurs avec lesquels on a fait ce débat. Je te félicite et surtout j'invite chacun de nous d'organiser de tels débats comme ça, c'est très important. Parce que ça va envoyer très, très loin, le message partira très loin. Et à ces arpésistes qui se croient qu'ils sont malins, je tiens juste à vous dire, vous êtes plus naïfs que votre président Alpha Condé. Je vous dis que vous n'allez pas vaincre. Nous allons vous vaincre. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie, vive le peuple de Guinée conscient. Et ceux qui ne sont pas conscients, il y a la John Newton qui les mondains, pas comme Alpha Condé. Je vous remercie. Amen, amen. Merci beaucoup. Et voilà, Fonike, Fofana. Oui, Fonike est là. Juste 2 minutes. 2 minutes, un sujet au choix, 2 minutes et puis on passe à un autre. D'accord, en fait, ce que je voudrais dire au peuple de Guinée, et nous devons prendre notre destin en main. Parce que si nous voyons aujourd'hui, et ce pays est toujours en retard, c'est lié à l'hypocrisie, comme mon frère d'ailleurs avait dit, Big Soul 224. C'est l'union qui fait la force. Il faut vraiment qu'on soit solidaire entre nous. Et nous devons être souciés pour l'avenir de notre pays. Moi, je ne suis pas militant d'un parti politique et je suis militant d'aucun parti politique. Je suis membre dans le bureau de la coordination, en même temps activiste. Et nous devons être solidaires entre nous.
ce débat, ça n'a rien à voir avec les Guinéens qui viennent chercher leur bonheur à l'étranger parce que rien ne va chez nous. C'est contre les communicants du RPG Arc-en-Ciel qui ne font que des injures publiques sur les réseaux sociaux et envers les personnalités publiques, mais aussi les activistes. Et je crois que je remercie tout le monde. Okay. En fait, toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter, merci, de nous suivre en direct sur ta page. Merci. Et je remercie tous les activistes qui sont là, et mais aussi les membres du parti du FDG. Ok, merci beaucoup. Et King, Asie le King, tu dors? Pas, je suis là. Conakry Nyorum, faut pas dormir. Non, je dors pas. Ok, juste en 2 minutes, un sujet au choix, rapidement en 2 minutes, pour qu'on se quitte. Bon, moi je parle à nos abonnés, nos frères guinéens, qu'ils soient de notre parti ou pas, c'est de s'unir. La Guinée nous appartient tous. Et si vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris le chemin pour faire le combat pour la démocratie, c'est parce qu'ils veulent que ce pays se développe. On veut que ce pays, un jour aussi, que tous les gens qui sont sortis puissent revenir ici, puissent inviter d'autres personnes, c'est-à-dire les amis qu'ils ont eus dans les pays, dans les différents pays où ils ont exilé, pour qu'ils puissent un jour les inviter à venir ici. Vous voyez aujourd'hui, avant, les Guinéens ne sortaient pas beaucoup en aventure. Mais sur le plan international, la Guinée est aujourd'hui le pays le plus en exil que par rapport à beaucoup de pays internationaux, africains. Donc, c'est triste pour l'image de ce pays, c'est honteux. Et nos militants de l'UFDG, il faut que vous sachiez que c'est nous qui avons gagné. Et nous sommes les vrais gagnants de ces élections. Il ne faut pas se décourager. Il faut se donner les mains. Demain, on ne sait pas, il y aura élection. Après demain, ou bien dans un mois, dans 2 mois, dans un an. Qui sait? C'est Dieu qui sait. Parce que Dieu, il est là, il ne dort pas. On laisse tout dans la main de Dieu. Il faut qu'on soit tous unis. Et la Guinée avant tout. Il ne faut pas calculer l'intérêt de ta famille, ni l'intérêt de ton oncle, parce que voilà, vous êtes de la même famille. Il faut d'abord regarder l'intérêt commun. Tous pour la Guinée et tous pour le développement de notre pays. C'est tout ce qu'on a à dire. Et puis voilà. Okay. Comment on peut laisser, quand on regarde là, qu'est-ce qu'on doit laisser à la future génération? Nous sommes en train de faire des enfants. Donc, nous, nos grands-parents ont souffert. Nous aussi, nous avons souffert. Donc, nos enfants aussi vont souffrir et nos petits-enfants aussi vont continuer à souffrir. Non, il ne faut pas qu'on l'accepte, ça. OK. Il ne faut pas qu'on accepte. Merci. Merci, Lou King. Merci vraiment pour votre participation. Éveil Guinée, je sais que vous êtes en route, vous arrêtez. Votez, parce que tu dois... Ah, non, donc, maintenant, à tout le monde, Kamama, parce que nous sommes des Guinéens, on s'efforce à prononcer toutes les langues de la République. Éveil, il y a une précision. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire. Il dit que le nommé Sergent Moussa Condé, je ne sais pas si vous le connaissez, certainement c'est un blogueur, qui a demandé de l'asile au nom de l'IFDZ en France. Donc c'est quelqu'un qui le connaît très bien, qui vient de m'envoyer un message. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, certainement c'est un blogueur, parce que moi je ne le suis pas. Il y a un bon rapport entre lui et moi, et parfois même on s'écrit, on s'appelle rarement quand même, mais on s'écrit. Sergent Moussa, c'est quelqu'un qui est farouchement opposé à l'UFDG. Voilà. Et c'est vraiment dommage d'entendre ça, qu'il a obtenu, si c'est vrai, l'asile au nom de l'UFDG et qu'il n'a pas autre cible que l'UFDG. C'est vraiment dommage, si cela se vérifie. Mais ça ne me surprend pas. Donc, je dis à tout le monde, Kamama, merci à tout le monde de nous avoir accordé un petit temps d'écouter ce que nous avions à dire. Mais je m'en vais dire ceci, parce que ce n'est pas un mot de la fin, c'est un mot de la suspension.
c'est un mot de la suspension. Parce que les sous-sous aiment souvent à lui dire, ça je m'adresse à ces maudits blogueurs. Bimania Kayara, qu'on a dit en Kansi Bera Mounaï. Donc, vous avez fait beaucoup doucement. Sinon, nous allons vous anéantir. Vous savez que nous pouvons le faire. Ceux qui ont bénéficié, je ne dis pas ceux qui n'ont pas eu l'asile, et ceux qui n'ont pas eu des papiers à travers l'asile politique, mais ceux qui ont eu les papiers à travers l'asile politique, c'est le bon moment de faire profil bas, de disparaître. Sinon, tous qui sont actifs, nous allons les mettre la pression et on va vous dénoncer sans jambage. On ne va même pas réfléchir une seule fois, mais nous allons vous dénoncer avec l'accord des fédéraux et l'appui des fédéraux plutôt. Nous allons vous dénoncer. Donc, les débats continuent sur nos différentes pages. Et merci à tout le monde pour la coopération. Merci, Yann, pour cette initiative. Et je pense que ça va continuer. Et donc, sur ce, ciao, ciao. Big Zul! Ah, Signanera. Voilà, ciao, ciao. Ok, merci. Merci, Éveil. Nous allons continuer avec Big Zul et terminer par la guerrière. Parce que c'est les femmes qui doivent nous fermer la porte pour ne pas que... Ok, merci la famille, merci à toi Tidiane pour l'initiative. Yo Fadiga, respect, Éveil Guinée, Machino Diaka. A pas de souci. Bon, d'abord moi, je vais terminer sur deux points. D'abord le premier point, c'est pas bon blogueur comme le dit Fadiga. Tu vois? La voix n'est pas audible. Moi je suis contre la violence. La voix n'est pas si audible là où tu es. Je sais pas. Continue. Oui, Big Zul, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, vas-y. C'est bon? On t'écoute. Ok, je disais en fait, d'abord, moi je suis contre la violence par rapport à ce qui s'est passé ici à Paris. Mais tu vois, chacun mérite ce qu'il arrive. Tu vois, le gars, il a bien mérité. Maintenant, bon, on ne va pas rentrer dans la sauvagerie, tu vois, dire que non, on va s'attaquer pelle et mêle ici à Paris. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais jamais voir quelqu'un et puis l'attaquer. Tu vois, il y a des gens qui m'ont menacé à Paris. Je demande pardon s'ils me voient, ils m'ont quand même attaqué. Il y a des soucis pour ça. Et je remercie aussi par rapport aux précisions du fédéral. Qui est en Angleterre, il a tout expliqué. Et j'espère qu'ils vont prendre toutes les responsabilités. Maintenant, bon, un sujet aussi très, très important, c'est par rapport aux aventuriers qui souffrent par beaucoup de personnes qui m'expliquent des problèmes dans les pays où ils sont. Par exemple, j'ai fait un avec des Guinéens qui sont en Égypte, qui ont des problèmes. Oh, merde. Laisse-moi prendre Annie Delove. Annie Delove. Annie Delove, tu es sur miette. Le micro, voilà, c'est bon maintenant. Ok, je disais là, je ne vais plus. En deux minutes, oui, ton mot de la fin. Ok, donc je tiens à te dire. Merci à toi personnellement, Tidiane. Toujours la puissance pour l'organisation du débat. Merci pour ça. Merci pour le courage et la persévérance toujours. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à nos différents abonnés. Merci aux abonnés et admirateurs de Tidiane la puissance. Merci pour tous vos partages et que les messages soient vraiment passés parce que nous le faisons pour ça. Merci à tous nos amis activistes, tous ceux qui ont été là, ceux aussi qui n'ont pas eu le temps, on espère que la prochaine fois on soit encore plus nombreux. Voilà. Et que le combat continue. J'encourage, je félicite l'ensemble, les activistes comme le peuple. Beaucoup de courage à tout le monde, qu'on ne lâche pas parce que chez moi, à Zéré Kouriangerze, il y a un adage de ma Ranhoule plus via ou la paillette, ou le nom de Goyehouyehouyehoué. On dit quelque chose qui te suit là. Il faut nous définir ça, hein, sinon nous serons la mer.
On dit quelque chose qui te suit, ça peut être un ennemi, ça peut être un animal qui t'a suivi dans la forêt. On dit que tant que l'animal ou l'ennemi n'est pas fatigué, toi qui es poursuivi, ce n'est pas toi qui va te fatiguer et essayer de te reposer au fait. Tant qu'on te poursuit, toi aussi tu dois courir, tu dois courir. Donc on ne sera pas fatigué tant que le malheur qui nous suit ou l'animal qui nous suit ne s'est pas fatigué. Donc toujours courage à nous, persévérance à nous. Nous savons que voilà, cette victoire, le peuple et l'alternance de son président, on l'a gagné palpablement et c'est juste par manque de démocratie, par l'injustice des institutions nationales qu'on se retrouve là. Mais avec la persévérance toujours, la foi en Dieu et en nous-mêmes, on va obtenir, on va toujours récupérer. Rien n'est encore perdu, c'est la loi de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Sachez que rien n'est encore perdu, nous allons récupérer parce que oui, nous l'avons déjà gagné. Le plus difficile était de le gagner. Le fait qu'on l'a déjà gagné et qu'on nous le vole par juste injustice, ce n'est pas le récupérer qui devient maintenant un problème. Le prix à payer sera payé. Le temps à prendre sera pris. On l'a déjà pris. Et la justice divine comme humaine, ça va se réaliser. Merci. Donc, je remercie tout le monde et ce fut un gros plaisir pour moi d'être là. Je vous remercie, je souhaite une excellente soirée, journée à tout le monde. Merci. Merci, merci Anne Delove et à bientôt. Au revoir, je me retire déjà. Merci. Birsoul, oui, tu disais quoi, le réseau n'était pas bon, on va vite faire là et voilà, fermer le débat. Voilà, désolé pour le réseau. Au fait, je disais, d'abord, premièrement, je suis contre la violence. Je cautionne pas qu'on attaque quelqu'un, par exemple, à Paris. Mais le gars qui a eu ce qu'il a eu, il l'a bien mérité, je pense. Mais on ne va pas rentrer dans cette violence. En tout cas, moi, je ne serai pas le premier à attaquer quelqu'un. Mais tous ceux qui m'ont menacé, s'ils m'attaquent, là, je serai obligé de répliquer. Ça va s'appeler de la légitime défense. Ça, c'était un. Et merci aussi pour le fédéral. J'espère qu'ils vont appliquer ça. Ils vont prendre des précautions. Pour ces gens qui prennent les attestations de l'UFDG, qui demandent l'asile au nom de l'UFDG pendant qu'elles critiquent l'UFDG. Maintenant, l'autre sujet où j'aimerais attirer l'attention des gens, de tout le monde, c'est ces aventuriers qui souffrent. Moi, j'ai fait plusieurs débats avec des gens. Il y a des gens qui m'ont appelé de la Libye, on connaît ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui m'ont appelé de la Tunisie, il y a des gens qui m'ont appelé de l'Égypte, de l'Allemagne et même de la Biélorussie. On a fait des débats, c'est des Guinéens qui souffrent. Partout, des aventuriers. On sait qu'un aventurier qui réussit, c'est toute une famille qui sort de la galère en Afrique. Donc, il faut qu'on en parle, qu'on dénonce et qu'on lance des appels pour savoir dans quelles conditions ils sont. C'est vraiment important. J'appelle tout le monde à venir sur ce débat. À venir sur ce débat. Par exemple, en Allemagne, il n'y a qu'une seule dame qui se bat. Une dame qui se bat pour tous ces demandeurs d'asile là-bas, pour tous ces immigrés guinéens. Son nom m'échappe là. Elle s'appelle Baldé. C'est une Baldé. Je ne sais pas si c'est Essatou Baldé. Essatou, je pense, ouais. Je la félicite. Elle seule, elle se bat du côté de l'Allemagne et on ne l'aide pas. On ne relève pas suffisamment parce qu'on s'est dit, voilà, les gens sont en aventure, donc ils sont sortis de la galère. Donc j'appelle tout le monde sur ce débat. Je remercie tout le monde ici. Éveil Guinée, toi Tidjan, merci pour l'initiative. Djibril Hagi, Annie Delove, Fasma, Bascot Lagné. On est ensemble. Merci beaucoup, la famille. Merci, Birsoul, et merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour suivre ce débat. Ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de vous servir ce mardi 29 décembre 2020. Et si tout va bien, nous allons nous retrouver les jours à venir. Et surtout, bonne année 2021 à toutes et à tous. Prions Dieu que l'année 2021 soit une année sans coronavirus, sans COVID-19, et que ça soit vraiment une année d'un véritable changement dans notre pays, pour que Dieu puisse nous aider à nous unir vraiment dans l'unité, pour qu'enfin nous arrivons à dégager ce système qui est là vraiment à faire du mal, à faire du tort aux Guinéens. On a beaucoup d'amis aujourd'hui arrêtés, et nous avons Madik Sans Frontières, nous avons Souleymane Kondé, il y a Ismaël Kondé, tout ceci, nous avons les responsables de l'IFDZ, Ousmane Gawal, nous avons Douane Chérif Ba, et nous avons également Abdoulaye Ba, et nous avons Selou Baldé et plein d'autres militants de l'IFDZ qui sont arrêtés injustement. D'autres actuellement sont torturés à Cancan, là on appelle Soronconi, même pas qu'avant-hier,
il y a deux jeunes qui ont été déportés de ce côté, et il y a un qui a laissé sa vie dans les mains de ces hommes. Donc franchement, gouverner autrement d'Alpha Condé, c'est de la merde pour les Guinéens. Mais j'espère que nous allons mener le combat, continuer ce combat pour affaiblir ces systèmes, pour que ces gens-là puissent dégager afin que nous ayons une autre élection, l'issue de laquelle les Guinéens vont choisir leur futur président qui sera au service de tous les Guinéens et non pas de son service personnel. Voilà, merci et surtout partagez au maximum cette vidéo encore une fois. Je vous remercie et à bientôt.